Salut, bonjour. Je suis bien content. Ça y est, il n'y a rien qui va mal, normalement, rien qui marche, rien qui fonctionne. Et là, il est content. Hein? Qu'est-ce qui nous cache? J'ai eu une activité épistolaire. Pistolaire. J'ai une gueule de pistolaire, moi. Vous vous rappelez qu'on est passé chez Metallic Man et qu'il y avait un message pour les lecteurs du site Metallic Man de la part du domaine qui nous était parvenu par le biais des sondes EBP dont est détenteur Metallic Man. On en a fait une vidéo, donc vous vous en rappelez, hein, parce que vous suivez, ceux qui ne suivent pas, au coin. Allez, 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 on va au coin. Bon, il y a le café, tout ça là-bas. Vous arrangerez. Il y a des habitués qui vous expliqueront. Le truc, c'est qu'il y ait du café pour la prochaine fois. Hein. Voilà. Alors. Aïe. Alors, à la fin, moi, j'ai laissé un commentaire qui a mis quelques heures avant d'être approuvé. Et ce matin, l'article de Metallic Man, c'est les réponses du domaine aux questions générées le 18 septembre 2021. Et bon, allez, je romps le teasing, un teasing. Oui. Ils ont répondu à ma question. Je suis épaté. Mais ils ont gentiment répondu à la question. Des fois, ils sont un peu sévères. Enfin, pas sévères. Ironique. Je les comprends bien. Un peu, ouais, ironique. Et des fois, non. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, les réponses du domaine aux questions générées. Si ça ne vous intéresse pas, hein, bon, vous n'avez qu'à me le dire. J'ai aussi une recette d'échalotes au courbouillon. Donc, on passe encore par facilité, par la version traduite par Google. Google, 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 Google. Cet article se compose de réponses du domaine aux questions recueillies par l'audience Metallic Man. C'est le premier et de, espérons-le, nombreux événements du même genre. Donc, c'est des questions qui ont été collectées lors de la troisième semaine de septembre, la semaine dernière. Et il a essayé de contacter le domaine par le biais de ces sondes, donc qui sont allumées. Il y en a eu un certain nombre qui sont allumées, au moins une, quoi, hein, je ne sais pas. Il a parfois réussi, parfois échoué. Parfois, la connexion était forte, alors qu'à d'autres moments, elle était faible. Ça dépendait de sa situation propre à l'époque. Bon, il va nous expliquer tout ça. Alors, il présente l'article à ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, en toute humilité. À ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Voilà, bon. Normalement, je fais pareil. Allez, bon. Oui, parce que s'il y a des nouveaux venus, il y a tout le temps des nouveaux venus. Il y a des partants, d'ailleurs, aussi. Et il y a des nouveaux venus que je salue bien. Souhaitant qu'ils restent le plus longtemps possible, qu'ils trouvent le meilleur matériel possible, puis évidemment, qu'ils passent à autre chose si ça les sature ou si je plafonne. Le 17 septembre 2021, il a posté un article qui racontait le fait que le domaine, c'est donc une congrégation galactique assez ancienne, vous allez voir, racontant le fait que le domaine lui avait ouvert un canal dédié via un implant intracrânien, nanosonde. Comme toujours, il était unilatéral et détaillé, mais pendant la conversation, il n'avait aucune réelle capacité mentale autonome, lui. Il était dans un état de réception et de rapport. Il était vraiment incapable de penser par lui-même.
Il a juste demandé ce qu'on lui avait dit de demander et il a enregistré les réponses. Donc, on continue les précisions pour les derniers arrivés. C'est un travail basé sur l'interview alien, qui est la transcription d'un commandant du domaine, d'un agent, un commandant, un officier du domaine, alors que son véhicule s'était écrasé en 1947 à Roswell et qu'il a été récupéré par la base militaire la plus proche de Roswell. Et interviewé mentalement, télépathiquement, par Mathilda McDonnell, si je crois, qui en a fait un rapport dont a pris connaissance Metallic Man, bien, il n'y a pas très longtemps, en fait. Il me semble que c'était pour la journée nationale américaine, le 4 juillet. Il était en congé, il a lu ça pour se distraire. Coup de téléphone vide, il n'y a rien au bout. En fait, c'est au moment où vous parlez que ça raccroche. Sinon, ça peut rester assez longtemps sans rien. Ça dépend lesquels. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que cet événement a engendré une agence américaine top secrète connue sous le nom de Majestic, qui travaillait pour l'Office des renseignements de la Navy. C'était un programme d'accès spécial non reconnu, qui gérait tous les événements, technologies et interactions extraterrestres avec le gouvernement des États-Unis. Il a fait partie de cette organisation avant d'être mis à la retraite. Il a travaillé 40 ans pour eux. Volontairement, en fait, quelque part, il s'est proposé. Me semble bien. En tout cas, il n'était pas spécialement payé, rémunéré comme un agent secret à la James Bond le serait. Il était même assez mal payé. Il a de nombreux appareils installés dans son corps, sept sondes ELF en relation avec Majestic, avec un système EPB qui est de fabrication et utilisé par le domaine. Terminologie, donc un EPB, c'est un appareil câblé qui connecte MM Metallic Man au domaine. Domain, hein, en anglais. C'est donc cette. Ce n'est pas la Confédération galactique des mondes, c'est le domaine. Il est clair qu'il faut faire le tri, hein. Il faut vraiment faire le tri, puisqu'il y en a qui sont bien intentionnés et il y en a qui ne le sont pas. Ou il y en a qui regroupent assez d'opinions diverses pour que parmi elles, il y en ait certaines qui soient mal intentionnées. Imaginez un groupe qui part faire une colonie, et puis parmi eux, il y en a qui sont prêts à tout bousiller, il y en a qui ne veulent pas bousiller la nature, et il y en a qui ne veulent pas bousiller les habitants, et il y en a qui veulent. Voilà. Hein. Donc, c'est trois gangs qui vont s'unir pour coloniser, mais chacun d'entre eux a des méthodes un peu différentes, du coup. ELF, c'est un appareil câblé qui a connecté MM à son service d'ordre, hein, au Majestic, via un intermédiaire Mantid. Ouais, c'est un Ziti Mantid, donc une mante religieuse d'une bonne taille, 2,80 m, 3,50 m, ça dépend, qui a fait l'interface entre Majestic Man, dont on voit la photo, hein, c'est lui qui est en photo là-haut, là, ici, avec un verre à la main, au-dessus de ma pomme. Bon, c'était une photo qui date un peu, mais. Pas l'importance. Et cette ELF est maintenant désactivée. Le domaine, c'est le nom de l'espèce et de la civilisation à laquelle appartiennent les grilles de type 1. L'ancien empire, ça, voilà, par exemple, c'est une autre confédération galactique. C'est un terme utilisé pour décrire une civilisation vaincue, actuellement, normalement, dans le coin, qui contrôlait cette partie de la galaxie. Enfin, vaincue actuellement, normalement, hein, il faut voir, puisque c'est justement celle qui a créé, si j'ai bien compris, hein, qui a créé, oui, qui a attaqué en tout cas la colonie basée dans l'Himalaya, la colonie du domaine basée dans l'Himalaya, soustrayant 3 000 de leurs agents
à leur évolution normale en les projetant dans le système carcéral qui enveloppe la planète Terre, en faisant une prison planète, une planète prison. Le canal de communication dont il s'agit, c'est un lien vers le gestionnaire ou le commandant de MM. Le rang et la position sont inconnus, sauf qu'il s'agit d'un être supérieur qui passe par le système EPP, la sonde. Metallic Man sait, il est absolument convaincu que le domaine veut faire ce qu'on est en train de faire, ce qu'il est en train de faire. C'est lui quand même qui nous a proposé d'interagir, mais parce qu'il le sentait tel que. Il obéit, là. Il est sur sa mission. Il a les mêmes intentions, on est d'accord, mais il a une mission, là, quelque part, a priori, hein, quand même. Une mission, il me semble. Hein. Ils attendent, en quelque sorte, qu'ils mettent en place le ou les incidents, les possibilités, puis les contacts, on peut aller voir la version anglaise au cas où ça a beaucoup d'importance, mais bon, ça n'en a pas, là, dans la traduction. Puis ils dirigeront, comme bon leur semble, le résultat. Bon, donc il a collecté des questions, il les a posées, ils peuvent y répondre ou pas. Il admet que le commandant gris de type 1 du domaine, qui a répondu à ces questions, n'est pas tout à fait à l'aise avec le système, le protocole que Metallic Man a employé pour poser les questions. Qu'on comprenne bien qu'il préfère communiquer de manière très différente. En général, c'est « il parle et nous répondons ». Oui, nous aussi, il faudra leur dire. Là. Nous aussi. Dans cet effort, nous posons des questions et demandons des réponses. Ils ont un problème avec ce format. Ils sont très mal à l'aise, ce n'est pas leur façon de communiquer. Pour faciliter cet effort, il a posé les questions en tant que sujet. Il a lu le texte à haute voix, il a lu le titre de la question, le texte de la question, et il a répété le titre. Il a fait une pause pour attendre la réponse. Bon, blablabla, blablabla, et attaquons, hein, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Les questions et les réponses du groupe 1, c'est comme ça que ça a commencé. Il a lu le titre du sujet, puis la question, le titre du sujet, il l'a fait en lisant sans comprendre. Ça n'a pas d'importance, vous savez, vous lisez. C'est pas l'état d'esprit d'analyse, c'est l'état d'esprit de perception globale. Vous lisez, ça n'a pas d'importance. C'est de la même manière que quand je traduis en direct, j'ai du mal à me rappeler à la fin de la vidéo ce que j'ai pu traduire, parce que je suis complètement sur la traduction et j'ai moins d'énergie, enfin... Je ne fais pas cet exercice-là, en tout cas, de stocker en mémoire aussi en même temps tout ce que j'ai dit, d'y penser. Non, je ne me permets pas trop d'y penser parce que sinon, ça va faire des blancs dans la traduction, à moins que je pense à haute voix. Mais quand même, je suis gâteux, mais pas à ce point-là encore. Ben, ça dépend avec qui. Mémine. Bon, mais je me rends compte, hein, je fais exprès, je sais bien, je regarde à quel point ils apprécient quand je leur parle. Donc. Oui, ça me permet d'être encore plus présent. C'est une autre conscience. Plus vous êtes présent à sa conscience, plus le chat apprécie en plus, et il le sent bien. Et en fait, comme on est dans ce genre d'exercice d'affinement, de communication non-verbale, quelque part, aussi, ou télépathique, globalement, bon, ben, je pense que les choses viennent bien comme elles devraient venir, normalement, quand on les laisse venir. Une question sur le bataillon des Lumières perdu. Les Isbires qui atteignent ce que l'on appelle souvent l'illumination, alors qu'ils sont dans un corps physique, sont-ils libérés de la machinerie de l'amnésie à la mort? Non. Réponse absolue. Non. Sont-ils utiles aux efforts du domaine et devons-nous travailler à devenir illuminés pour être utiles au domaine? Alors, c'est quand même toujours des traductions par Google. Hein. La version anglaise, elle est plus. La question pourrait paraître, enfin, certaines d'entre elles, dans celles qui suivent, vont paraître
Maladroite. Non, ils ne sont pas spécialement utiles au domaine. Les lumières n'ont aucune incidence sur l'extraction de ce mécanisme carcéral. Non, l'illumination plutôt que les lumières. Cela fait partie du système de l'Ancien Empire. Donc, les méchants qui ont colonisé, enfin, on en reparlera plus tard, et qui ont fait donc une expédition dans l'Himalaya, 3000 ans, enfin, faisant 3000 prisonniers, il y a 8000 ans. Ouais. Cela fait partie du système de l'Ancien Empire de contrôle conditionné et de lavage de cerveau. L'illumination est un autre chemin qui mène à un tunnel de lumière. On comprend que travailler ou faire n'importe quoi pour devenir illuminé est techniquement incorrect, mais il est difficile de décrire de telles choses dans la dualité. Réponse, on a compris, nous savons de quoi vous parlez. Ben, merci pour ça, c'est avec plaisir. Là, il y a un petit peu de. Vous voyez cette question-là? Elle est un peu. Hein? C'est même pas une question d'ailleurs. C'est une affirmation. Le prochain groupe de questions a eu lieu environ 3 heures plus tard. À ce moment-là, il a demandé à la fréquence, à la chaîne. Il dit ça, il dit la chaîne, mais enfin bon, c'est mal traduit. À sa fréquence, qu'il y ait ou non quelqu'un qui écoute, de baisser l'amplitude pour qu'il ne soit pas plongé dans la tourmente pour le reste de la journée. C'est-à-dire que quand il est dans les tours, si on peut dire, il est dans les tours aussi physiquement. Quand il arrive à ce niveau énergétique de communication, il n'est pas en état calme. Qu'il ne soit pas plongé dans la tourmente pour le reste de la journée. Cela s'est produit, les choses se sont adoucies. Le canal de communication, par contre, était beaucoup plus faible. Il fallait donc trouver un compromis entre mets moins fort le micro, trouve plus de gains, baisse ton micro, augmente ton ampli. D'accord? Vous voyez, on connaît ça nous aussi. Questions et réponses du groupe 2. Alors, eux, ils ont des réponses nulles. Il a dû réessayer plusieurs fois. Cinquième tentative, il a commencé à obtenir des réponses. Il pense en fait que le problème n'était pas les questions, mais celui qui répondait, ou le commandant, ou son représentant, qui n'était pas disponible à l'époque, ou ne pouvait pas répondre. À propos des rêves lucides, et en rapport avec le sauvetage du bataillon des 3000 perdus, comment ceux qui ont des capacités de projection astrale et de rêves lucides peuvent-ils être correctement coordonnés pour attaquer les pièges de l'amnésie de l'intérieur? Réponse. C'est une demande dangereuse que vous nous faites là. Lorsque le domaine décide de résoudre un problème, il le recherche en détail, puis il propose des solutions possibles. Et à chacun de ces scénarios, à la fois positifs et négatifs, il pèse le pour et le contre. Dans cet effort, ils utilisent des forces concentrées avec des objectifs stratégiques et des frappes tactiques contre des pièges spécifiques. Il y a aussi le tempo. La chronologie des événements, comment on appelle ça, frapper au bon moment, au bon endroit, quoi. Hein. Les isbis individuels ne devraient jamais tenter de s'engager dans des attaques contre les pièges de l'Ancien Empire. Au lieu de cela, ils devraient être marqués pour l'extraction et le domaine notifié de leur existence sous la forme exacte sous laquelle ils ont été rencontrés. Je vais essayer, là, il faut que je lise en anglais pour en avoir une meilleure appréhension française. Et que le domaine soit notifié de leur existence, qu'ils puissent nous recenser, si vous, enfin, vous recenser, recenser les gens qui désirent s'engager dans des attaques. Tel qu'il l'était au moment où ça s'est produit, a priori. Ouais. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Une personne capable de mener un rêve lucide possède un ensemble de compétences spéciales et uniques qui lui permettent d'être un atout essentiel pour la mission. Cependant, ce type d'atout ne doit pas être gaspillé inutilement, mais doit plutôt être informé d'un objectif spécifique et ensuite agir en coordination avec d'autres forces unifiées pour atteindre un résultat très spécifique.
Ceux qui ont cet ensemble de compétences seront interviewés, voire sélectionnés pour une tâche spécifique et laisseront ensuite en, et resteront ensuite en sommeil comme des top modèles, jusqu'à le moment, jusqu'à ce que leur H, jusqu'à ce que le besoin se fasse sentir. On serait l'anti-gladio, vous voyez. Je dis on, je m'inclus dedans, hein. Vous allez voir, je fais preuve d'absolument aucune humilité aujourd'hui, ça y est, je devrais boire. En plus. Ben oui. Encore plus puisqu'ils m'ont répondu, mais ça n'a rien à voir, hein. Ça ne veut rien dire du tout. Quoique, moi j'ai des arguments, mais je ne me rappelle pas avoir appartenu à quoi que ce soit de ce genre, et je ne sais pas d'ailleurs si une telle organisation hiérarchique convient tout à fait à ma poésie actuelle, on va dire. Ensuite, l'actif, c'est l'agent, remplira sa fonction en coordination avec d'autres forces du domaine, spécifiquement entraînées dans le but de cette mission-là, de ce but-là. Question, y a-t-il des endroits spécifiques qui s'avèrent difficiles à démanteler pour le domaine que ceux qui sont déjà en prison, ici sur Terre, pourraient avoir une meilleure chance d'atteindre? Oui, oui. De nombreux systèmes posent actuellement problème. Aucun, cependant, n'est impossible à dissimuler. Les bip, on ne sait pas de qui ils parlent, c'est une autre espèce. Moi, j'ai pensé aux courses, parce qu'on dit que les courses sont une technologie très avancée, ils sont plutôt du côté bienveillant. Et participent à la lutte contre les reptos et les grands gris malsains. Donc, les bip, une espèce et un groupe dont MM n'a pas connaissance, fournissent une assistance technique dans ce domaine. Bien que cela n'ait pas spécifiquement été posé dans la question, allô, je regarde, je vérifie quand même si mon micro marche, j'ai peur. Non, il marche. Mais peut-être qu'il n'est peut-être pas assez fort. Ah, j'ai fait exprès de dire j'ai peur, hein. Je n'ai pas peur. On est en guerre. Il faut donner le change d'autre chose constamment. Je plaisante. Mais non, mais je ne plaisante pas, en fait. Je plaisantais pour mon truc. Je n'ai pas pensé à rien du tout. Je n'ai pas enlevé de mes locutions celle de dire j'ai peur que. Je dis jamais j'ai peur. Je crains que, moi. Hein. Je dis plutôt je crains. Je crains que tu aies raison. En parlant de quelque chose qui pourrait faire peur. Hein. Je crains que tu aies raison. Enfin, bon, ce n'est pas le sujet. Alors, bien que cela n'ait pas été spécifiquement posé dans la question implicite est de savoir si nous fournirons à l'interrogateur les informations ou les coordonnées de tels processus ou pièges. La réponse est non. Non, pas pour le moment. Considérer qu'il s'agit d'un besoin confidentiel de connaître la matière en question. Et le besoin de savoir. Les agents qui ne vont pas participer à la mission secrète de demain n'ont aucun besoin de savoir de quoi il s'agit. Évidemment, ça fait beaucoup moins de fuite possible. Pas question de confiance trahie, question d'interception de la communication aussi. Votre déception à ce sujet est pour le plus grand bien. C'est pour votre plus grand bien. Et c'est des professionnels avec des moyens qui nous débordent un peu, là. Nous, on est gentils, mais restez pas au milieu du terrain, quoi, ils vont nous dire, quoi. Et non, on ne vous amène pas en mission parce que c'est mieux. Vous ne savez rien y faire, vous allez vous faire abîmer pour rien, potentiellement, je suppose. Bon, reprenons. Existe-t-il des fréquences ou des techniques de modulation spécifiques approuvées par le domaine autour desquelles l'infrastructure peut être construite pour fournir une voie de communication physique afin que les messages puissent être plus facilement reçus par ceux qui n'ont pas de sonde EPB ? EBP. Cela s'étend aux fréquences qui peuvent être réglées via la télépathie lucide et astrale. Oui. Il existe de nombreux, ou plus correctement spécifiés, expliqués, il existe des groupements ou des bandes de fréquences qui agissent comme des clés ou des codes de système. Les codes de système.
Lorsque nous annulons ou supprimons un système, nous utilisons ces techniques avec divers types de canons électromagnétiques dans les domaines non physiques qui sont adaptés à de telles complexités. Technologie astrale, quoi. Technologie éthérique, plutôt, peut-être. L'infrastructure, question. L'infrastructure électronique trouvée sur la prison planète Terre peut-elle être construite pour aider au changement de l'ADN du corps astral ou pour briser l'amnésie dans son ensemble? Est-ce qu'on a traduit mieux, enfin, si j'ai bien compris, est-ce qu'on a le matériel et les connaissances disponibles et nécessaires, nécessaires pour fabriquer des machines qui nous protègent au niveau de l'ADN du corps astral ou même qui nous permettent de briser le système d'amnésie? Oui, d'une certaine manière, est-il répondu, et seulement partiellement. L'ensemble du système comporte à la fois des composants physiques et des composants non physiques. L'ADN et l'ARNM, messager donc, des corps humains et de certains animaux ont été modifiés pour aider à l'emprisonnement des ISBI. En corrigeant cette composante biologique physique à la norme universelle, de nombreux systèmes d'amnésie existants ne fonctionneront pas. Et si oui, donc, comme question, suite de la question, si oui, sur quel type de technologie devrait-on se concentrer? Réponse. Le magnétisme biologique. Vous le faites, cet exercice de magnétisme, vous frottez les mains jusqu'à ce que ça picote là, et puis quand ça picote là, essayez de cerner la boule d'énergie. Je ne sais pas, à mon âge, on ne pratiquait pas ça, mais plus tard, il y a eu des mangas ou Dragon Ball Z ou je ne sais pas, des noms comme ça, là, où les petits héros de bande dessinée pratiquaient justement ces concentrations d'énergie et de « wow !» Non ? Alors, magnétisme biologique, fréquence électromagnétique à haute tension et altération de l'ADN et de l'ARN. Question-réponse du groupe 3. Auquel il a été répondu rapidement, clairement, aucune difficulté à obtenir des réponses, des informations. Tout cela lui fait se demander si cet individu du domaine qui répondait était un gestionnaire dédié, attribué au poste, à ce moment-là. Vous voyez ? Il y en a peut-être un à ce moment-là, lui, il avait fait terrien comme langue étrangère associée. J'ai fait terrien en deuxième langue. Bon, excusez-moi. Technologie et planète carcérale. Les hybrides Atlant, je suppose Atlante, qui ont été expérimentés dans le cadre du projet Prométhée, ont-ils commencé leur réunion dans les plans astraux? Réponse, il n'y a rien à dire à ce sujet. Alors, j'ai vérifié en anglais qu'est-ce que c'était comme question. Oui, est-ce que les hybrides Atlant, qui ont été expérimentés sous le projet Prometheus, je ne peux pas en parler de ce projet, je ne le connais pas, je ne me rappelle pas, ça ne me dit rien. Question, existe-t-il une technologie présente dans la prison qui pourrait aider à guérir ceux qui ont été ciblés par l'ancien empire pour avoir des maladies débilitantes, pour les empêcher d'accomplir leur mission astrale? Oui, ça, on a remarqué dans les hypnoses régressives qu'effectivement, il y avait des gens qui étaient spécialement doués, mais aussi spécialement encrassés pour justement les limiter dans leur capacité à devenir chef de groupe émulatoire pour d'autres personnes éveillants et diffusant l'info et tout ce que vous voudrez. Donc, il y a réponse de la technologie partout dans le système solaire physique et dans le système solaire non physique. Le problème est de reconnaître ce que c'est, d'identifier comment il peut être utilisé et puis de se former à l'utiliser correctement. Alors que les BIP, peut-être courses, donc, utilisent leurs expertises en la matière, ils ont encore un long chemin à parcourir pour découvrir
ce qui se cache dans ces couches après couches, sur ces différentes strates de pièges complexes. Inutile de dire qu'ils sont complexes et bien trop dangereux pour l'isbi occasionnel, quoique enthousiaste. Il existe de nombreux pièges et l'un d'eux est un mécanisme spécial qui recherche certains schémas de pensée, certaines personnalités et actions et les cibles pour des maladies ou des tares débilitantes. Ces systèmes parcourent la réalité non physique et le domaine les détruit lorsqu'ils sont trouvés. Mais beaucoup existent encore et beaucoup sont savamment camouflés. Ceux qui parcourent les royaumes non physiques doivent être extrêmement prudents et comprendre que des technologies supérieures, affinées par des milliards d'années de perfectionnement, engloutissent l'environnement carcéral non physique autour de la Terre, donc environnent toute la Terre, et piègent et nuisent à ceux qui ne sont pas préparés. Heureusement, la plupart des isbi autonomes sont conscients qu'ils sont immortels et qu'ils ne peuvent pas être blessés. Mais si l'isbi est attaché à l'environnement carcéral, ils peuvent être endommagés et renvoyés dans le processus d'amnésie de manière très dangereuse. Des précautions doivent être observées. Ils peuvent être endommagés, vous pouvez être traumatisé psychologiquement, ce qui entache vos corps subtils et vous empêche après de vous en servir de manière correcte. Car nos corps subtils sont un des intermédiaires entre nous et eux. Vous s'en doutez un peu, hein, puisque c'est à partir de là que nous, on dit qu'ils tirent le louche. Question-réponse du groupe 4. Relativement rapidement répondu, signal plutôt fort et clair. Localisation et sauvetage. Les 3000 sont-ils dans un seul endroit physique et sinon sont-ils conscients de la présence des autres? Réponse. Pardon. Les membres du bataillon perdu sont dispersés dans le monde entier. Ils occupent des corps et des espèces différents. Beaucoup sont humains, mais pas tous. Encore, là, je ne sais pas si parmi les espèces différentes, c'est toutes des humanoïdes. Si ce n'est pas des humanoïdes, ça signifie que c'est aussi des animaux, certains animaux en particulier. Hein, ils avaient peut-être parlé des chevaux et des dauphins. Et il y a peut-être certains chiens et chats aussi, à mon avis. Enfin bon, ça signifie donc que les isbi peuvent intégrer autre chose que des humains. Petite précision en passant. Toute forme de conscience, me semble-t-il, est considérée comme isbi qui doit être respectée. Ils n'ont aucun souvenir de qui ils sont, ni de leur histoire. Ils sont isolés et l'ancien empire a créé un système qui renvoie immédiatement ses consciences isbi à l'environnement terrestre carcéral. Ils n'ont même pas l'occasion de se reposer dans le paradis établi que l'ancien empire avait mis en place pour eux. Beaucoup, mais pas tous, vivent dans une vie d'extrême pauvreté, de confusion, de peur et de désespoir. Et ce système est spécialement conçu pour favoriser cet environnement sur eux, c'est-à-dire pour qu'ils soient encore plus traumatisants. Et pas que physiquement, là. Hein. Vous voyez bien que le traumatisme psychologique a un impact. Qu'il est essentiel de guérir ça. Hein. Pratiquer les mouvements oculaires extrêmes, MOC, qui s'appelle Serhant Schreiber, je crois, le docteur qui a développé ça. Mélanger ça avec du tapping, avec du Ho'oponopono, avec du... Mélangez tout, les uns après les autres, quoi, si vous voulez, vous les faites. Les méthodes mentales, de façon à guérir. Et l'EFT, la Freedom Emotional Technique, technique de libération émotionnelle, EFT. Donc,
Ils n'en connaissent aucun autre dans leur bataillon et vivent pour la plupart des vies très singulières, solitaires et isolées. En général, presque tous les membres du bataillon perdu occupent des corps, des situations, des formes dans la société inférieures, de moyenne à inférieure. Ouais. Si la société va de 0 à 20, ils sont entre 10 et, entre 0 et 10, quoi. Entre 1 et 10. De ce nombre, la moyenne pondérée tend vers les couches sociales inférieures. L'emplacement dans l'Himalaya était-il le seul endroit où les 3000 sont restés ? Réponse : l'installation d'Himalaya était la principale base d'opération. De toute évidence, ils se déplaçaient au besoin dans l'environnement physique local et il y avait des camps dans d'autres endroits qu'ils occupaient et visitaient. Cependant, la base était nouvelle, il n'y avait pas beaucoup de temps pour développer d'autres emplacements avant qu'ils ne soient attaqués. Ah, il y a peut-être eu des camps qui ont... Il y a eu peut-être des sauvés. Enfin, il y en a quand même eu 3000 de prisonniers. Y a-t-il eu des transfuges et ont-ils été localisés ? Réponse. Mis à part les quelques-uns mentionnés dans l'Alien Interview, il n'y a pas eu d'évasion réussie. Le type d'ISBI nécessaire pour s'échapper est vraiment très spécial. Tous les ISBI ne peuvent pas atteindre ce niveau de capacité et d'aptitude. Ceux du bataillon perdu, bien que très capables, étaient d'un calibre qui n'était pas aussi flexible à la manipulation de la réalité que certains dirigeants l'étaient et le sont encore. La plupart d'entre eux étaient de calibre militaire, des corps, du corps de service, les soldats. Ils étaient hautement qualifiés et entraînés pour leur mission et très agressifs, mais ils n'avaient pas les compétences requises pour échapper à la configuration de la prison planète. Leurs forces ont été utilisées contre eux, comme le piège à doigts chinois. Alors, qu'est-ce que le piège à doigts chinois ? C'est un tressage d'un tube dans lequel vous mettez vos petits doigts en appuyant dans l'axe du tube, ce qui provoque le relâchement de la trame, l'élargissement du diamètre du tube et son raccourcissement. Mais quand vous tirez, au contraire, ça en provoque la striction. Et donc, ça vous maintient les doigts prisonniers alors que vous les avez envoyés enfoncés au maximum. Et donc, il faut une troisième main pour pouvoir... Il faut deux autres mains pour pouvoir vous dégager. Normalement, deux autres mains. Hein. Il faut être très tordu, mais des fois, on y arrivait parce qu'il y a eu ce gadget-là dans Puis Gadget. je me rappelle. Et j'étais un peu arrivé à m'en sortir avec les dents. Enfin, il a fallu bricoler un petit peu. Mais quand vous êtes comme ça, avec les doigts pris dans le dos, c'est moins facile de servir de ses dents. Hein. Question, les 3000 sont-ils toujours ensemble ou dans des cellules dispersées à travers le monde ? Non, ils sont homogénéisés sur toute la planète et rencontrent rarement un autre membre emprisonné. Aucun ne se trouve dans des cellules de détention ou d'autres installations. Ils sont mélangés à la population générale dans le monde entier. Les cellules de détention sont utilisées pour les officiers et le personnel de niveau supérieur du domaine. Le domaine maintient un système de classes. Chaque classe a ses propres avantages, forces, faiblesses et privilèges. Ceux qui se trouvent aux différents niveaux de leadership possèdent des capacités de nature exponentiellement beaucoup plus grandes que la classe directement en dessous d'eux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème d'autorité. Parce que là, le chef, il est vraiment très, 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 très chef, quoi. Il sait tout faire mieux que vous, plus vite, plus rapidement. Il en fait trois fois plus. Il fait trois choses à la fois, en trois langues, de jour et de nuit, en même temps. Alors, là, quand, voilà, vous avez une structure compréhensible. Rentrez pas en compétition avec un chef, vous n'avez pas le niveau, quoi. Vous le sentez... A priori, hein, je dirais. Question, le réseau électrique géant affecte-t-il la technologie blank slate, c'est-à-dire de lavage de cerveau ? Et si c'est le cas, comment ? Cette technologie est partie singulière d'un des nombreux mécanismes utilisés pour générer un système d'amnésie efficace. De nombreux systèmes sont impliqués. Ceci est juste un autre nom pour le terme plus large de lavage de cerveau. Peut-être même... électrochoc.
Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un système de contrôle stratifié avec de nombreuses couches. Donc en médecine, il doit y avoir un mot comme électro-neuro-catalyse mémorielle, ouais, un truc comme ça, pour définir ce lavage de cerveau par l'électricité, enfin pour chacun des systèmes d'ailleurs. Donc, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un système de contrôle stratifié avec de nombreuses couches. Je l'ai lu, vous voyez, je ne me rappelle même pas si je l'ai déjà lu. Question, quand la théorie de la... de la réalité matricielle à lumière améliorée, commencera-t-elle à prendre de l'ampleur en Occident, si cela y est autorisé? Donc, en anglais, c'est « light enhanced Reality Matrix ». Dans le réponse, dans le MWI, c'est-à-dire le multivers, il y a plusieurs histoires et plusieurs futurs. Il y a des futurs où cette théorie est adoptée, des futurs où elle ne l'est pas. Ce qui est important, c'est que le bataillon piégé retrouve des souvenirs et des compétences pour sortir de l'environnement dans lequel il est enfermé. Ouais. D'abord eux, hein. D'abord eux, nous après. Et l'humanité après. On en reparlera. Malheureusement, il n'y a pas de masse critique, de perception ou de compréhension qui élèvera les membres du bataillon hors de leur situation, tous d'un coup, au bout d'un moment. Un centième singe chez eux, non. Puis chez nous, je me demande encore si ça existe, cette théorie-là. Pensez pas que dans votre région, il y a plus que 100 musiciens. Tout le monde joue donc de la musique comme ça, sans y penser, de n'importe quel instrument, enfin à peu près. Pensez bien qu'il y a plus de 100 cuisiniers. Tout le monde sait donc cuisiner à peu près tout ce qu'il a envie de cuisiner. Il y a bien une centaine de masseurs kinés. Donc tout le monde sait faire des massages et de la rééducation. Ah, voyez, comment ça se fait? Comment ça se fait si cette théorie... Tout le monde joue, il y a bien plus de 100 joueurs d'échecs. Tout le monde sait jouer aux échecs parmi vous. Ou au ping-pong, ou vous êtes à la frontière, il y a plus de 100 personnes qui parlent la langue d'à côté, est-ce que ça veut dire que tout le monde parle la langue d'à côté? Enfin, vous voyez, il y a plein de situations dans lesquelles moi j'ai un petit problème avec cette théorie très New Age, pour moi du coup, du centième singe. Entre ça et les méditations d'enfants qui auraient fait baisser le taux de crime à New York, j'en doute vraiment beaucoup. C'est venu avec tellement de puissance dans la communauté New Age, ces informations-là, tellement de diffusion, tellement de sécurité, avec des Greg Braden qui font des best-sellers. Ah, il n'est peut-être pas mauvais, il a peut-être un bon développement personnel, mais je ne sais pas si... vous voyez ce que je veux dire? Si ce n'est pas un peu à la Wilcock, quoi. Hein. Je ne me moque pas trop, moi aussi, je fais du Wilcock. Je récolte à gauche et à droite plein de renseignements et je vous les amène, vous voyez. Je ne me moque pas trop, donc. Mais voilà, vraiment, moi, je vous le dis, je ne vous dis pas, j'ai rêvé cette nuit. I had a dream. Ils ont, donc c'était un encart de ma part qui sera soumis à critique, évidemment, parce que, voilà. Mais bon, j'admets, hein. Ça peut... J'aimerais bien y croire. C'est beau. Vous voyez, c'est ça qui est valo. Ils jouent sur notre fibre émotionnelle avec des infos peut-être New Age. New Age. Par contre, il faut continuer à se servir de cette partie-là de notre être pour y visualiser le meilleur des mondes qu'on veut voir se réaliser. Vous voyez, donc... Ils nous empoisonnent. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Donc, ils ont intentionnellement des systèmes et des contrôles supplémentaires qui les attachent, les isolent, les remplissent de peur et les obligent à essayer d'agir seuls, si jamais. Oui, ça, c'est un peu un de mes arguments, parce que quand on se trouve très, très cartonné, spécialement cartonné, il y a peut-être quelque chose qui est bizarre, hein, quand même. Question-réponse du groupe 5. L'ensemble des requêtes était étrange dans la mesure où il y avait une pause notable de « ok, si ça a un sens » pendant le processus de questions-réponses. Il était sur le point de se lever de sa chaise, c'était tellement long entre deux, lorsque les réponses sont revenues.
Libération du bataillon perdu. Comment reconnaître les membres du bataillon perdu si nous les rencontrons? Vous ne pouvez pas les reconnaître à moins que nous les signalions spécifiquement. Ils n'ont pas de marqueur manifeste, de caractéristiques ou tout autre trait ou attribut qui les distingue du reste de la société. Vous ne pourrez pas non plus les sentir. Ceux qui ont des capacités accrues et entraînées pourraient être en mesure de déterminer un général au toucher. Il y a un toucher de feu follet caractéristique, paraît-il. Mais c'est à peu près tout. Donc, dès que vous êtes expert en toucher de feu follet, je rigole, je ne devrais pas, hein, quand on fait de la bioénergie, ça nous arrive. On touche tout. Et donc, le but du jeu, c'est justement d'arriver à sentir, avec nos extrasens, si on peut d'ailleurs, en plus. Mais pas que. Avec notre corps énergétique aussi. Enfin bon. Quelles actions sont recommandées pour reconnaître un membre du bataillon perdu? Ben, on te dit qu'on ne peut pas. Ne prenez aucune mesure, sauf indication contraire. Vous ne devez pas vous impliquer dans leurs enfers, à moins que cela ne vous soit spécifiquement demandé. Bien que nous apprécions vos sympathies, nous devons autoriser uniquement les actions manifestes où les avantages peuvent se manifester de manière tangible par nos objectifs et nos plans. Voilà. Les enfants très bien intentionnés au milieu d'un incendie, ils sont au milieu. Ils doivent dégager, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas porter un seau, courir, faire attention, aider quelqu'un. Ils ont à peine la force de se mouvoir eux-mêmes. Ah, ça se développe après la puberté en général, mais auparavant, vous n'avez pas énormément de force. Hein. Question sur les machines d'amnésie. À la mort, quand on perçoit le tunnel de lumière, est-il recommandé d'entrer? Très, très bonne question qui va ravir plein de gens parce qu'il y a une réponse, il y en a même plusieurs. À la mort, quand on perçoit le tunnel de lumière, est-il recommandé d'y entrer? Non! Non! Nous enverrons quelqu'un pour vous récupérer. Confiance, y a-t-il quelqu'un qui va venir, parvenir? De toute manière, non. Pas le tunnel. Et c'est pas tout, il explique plein d'autres choses. Attendez. Quels sont les avantages et les inconvénients d'entrer dans le tunnel et de lumière? Tunnel, lumière, vous savez, la lumière au fond du tunnel. Hein, ben, dans notre situation, c'est le TGV qui arrive en face, barrez-vous. Bon, question donc, quels sont les avantages et inconvénients? Si vous entrez dans le tunnel de lumière, vous irez directement dans la machine de reprogrammation. Là, vous vous retrouverez dans le ciel, le paradis, qui est un univers spécial construit pour ce royaume de planète prison. Encore, je vous dis, ils nous manipulent à tous les niveaux, ils se font passer pour nos proches, ils ont les moyens de vous faire ressentir la plus grande extase, la plus grosse frayeur. Tout ça, ils manipulent. C'est un foutage de gueule, cet examen de conscience avec signature de contrat de réincarnation et tout le patin-couffin. Foutage de gueule. C'est exprès. Ça l'est fait par les gens qui vont bénéficier de notre recyclage. Ad vitam, si on peut dire, ou plutôt ad aeternam. Enfin, pas aeternam, puisque les choses changent. Passer par le tunnel ajoute à vos expériences terrestres dans la dernière incarnation à celles déjà collectées dans les incarnations précédentes en prison. Vous n'aurez aucune connaissance de ce qui s'est passé avant cela, avant d'être en prison. Toutes les milliards d'années d'événements avant votre arrestation et votre incarcération vous seront refusées. Oui, alors là, d'un coup... le régime anti-vieillissement, ça relativise. Hein. Eh oui. Je sais bien. Je regrette aussi le temps de ma jeunesse. Mais bon, c'est plus par absence de douleur généralisée qu'autre chose. Cependant, vous ne pouvez pas accéder directement à ces souvenirs de prison planète.
Vous aurez besoin d'un guide, un gardien, pour vous aider. Ils mesureront ensuite, un gardien, un ange, gardien, je ne sais pas, pour vous aider. Ils mesureront ensuite soigneusement les souvenirs précédents pour vous donner l'illusion du contrôle et des souvenirs de votre passé. Mais ils savent le doser. Ils vous mettent pas tous les événements tragiques, tous vos morts cumulées les unes après les autres, parce que c'est trop d'un coup. Alors, on n'est pas capable de digérer ça, ça nous traumatise, mais après, c'est l'inverse du but recherché qui est obtenu. D'où l'illusion du contrôle. On aura l'impression de contrôler, mais on n'aura accès qu'à ce qui nous à ce qu'on peut manger, quoi, si on peut dire. Vous serez autorisé à fréquenter des écoles de cette construction céleste, puis vous recevrez une nouvelle mission, à partir de laquelle vous serez à nouveau injecté dans l'environnement de la prison Terre. Et par la suite, vous perdrez tous vos souvenirs et recommencerez. Oui, alors, d'où mon encart, là, qui est un petit peu à contresens de la mise en garde que je voulais faire, ou qu'ils nous font. Donc, il y a un passage entre deux vies durant lequel on a accès guidé à nos mémoires anciennes. Puis, on repère tout avant de revenir à zéro. Et donc, c'est stocké. C'est stocké dans un akasha auquel, effectivement, on peut accéder en hypnose régressive, a priori. Si vous ne parvenez pas à entrer dans le tunnel de lumière, alors vous serez une conscience non physique qui est toujours piégée dans le champ de confinement électromagnétique, mais vous seriez toujours autorisé à vous déplacer à volonté, par contre. Mais c'est une faune, hein, vous n'allez pas croiser que des licornes roses. Hein. Vous devez demander de l'aide et de l'assistance pour trouver votre juste place dans l'univers. Malheureusement, de nombreux isbis qui essayent de le faire découvrent qu'ils sont seuls et sont ainsi facilement trompés par d'autres entités non physiques malveillantes qui ont également été piégées dans les limites de l'environnement carcéral. Beaucoup, ne connaissant pas mieux, reviendront à ce qu'ils connaissaient auparavant, la chaleur aimante du tunnel de lumière et les appels de leurs proches. C'est une des raisons pour lesquelles il faut faire son deuil des défunts et il ne faut pas constamment chercher à les entretenir de nos affaires. Si c'est eux qui font la démarche, c'est autre chose, je suppose. Non. Mais que nous le fassions, ça aurait tendance à retenir l'âme du défunt dans son voyage. C'est en tout cas, me semble-t-il, une des leçons du Bardo Trodol. Le livre des morts tibétains. Si nous choisissons de ne pas entrer dans le tunnel, est-ce qu'une simple décision de notre part de ne pas y entrer est suffisante pour échapper? Entrer ou non est la décision de l'ISBI. L'ISBI a toujours le libre arbitre et les décisions sont basées sur des diagrammes logiques. Tant que les faits et les données sont corrects et complets, la plupart des ISBI prendront des décisions correctes et valides. En cas, ma version terrestre, c'est quand tout le monde sera au courant de la vérité à propos de la réalité, les opinions s'uniront. Une petite variante. Cependant, l'une des couches du système d'incarcération pénitentiaire est de distraire et d'induire en erreur les détenus. Cela les amènera à prendre des décisions invalides et erronées. Question. Devrions-nous choisir de ne pas entrer dans le tunnel? Quel est l'endroit recommandé où nous devrions nous rendre ensuite alors? Réponse. Si un ISBI décide de ne pas entrer dans le tunnel, il peut rester dans le domaine non physique associé à son corps après la mort. Ils peuvent se déplacer et explorer à volonté. Ceux qui travaillent avec le domaine seront recrutés dans les plus brefs délais et emmenés dans une installation de stockage pour le traitement, le débriefing et les prochaines étapes de formation et autres. Ceux qui sont juste des gens normaux ou ordinaires, devraient commencer à crier à l'aide et à l'assistance. Affolez-vous, quoi.
Le problème, c'est que cela attirera toutes sortes d'entités et qu'elles auront toutes sortes de désirs, d'intérêts, de plans qui peuvent être ou ne pas être dans le meilleur intérêt de l'ISBI. La meilleure chose à faire est d'appeler un agent du domaine pour venir vous chercher. Vous faites cela grâce à la visualisation de la pensée. De la même manière que les gens appellent Ganesh ou Jésus. Un ange passe. Destruction d'autres pièges. Si l'univers est malléable et répond à nos intentions, suffit-il d'utiliser l'intention pour se libérer ou détruire ces pièges? Oh, réponse. L'univers est malléable jusqu'à un certain point. Et l'utilisation des pensées et des intentions est la façon dont vous pouvez le contrôler. Et l'utilisation de la pensée et des intentions est la façon dont vous pouvez le contrôler. Cependant, la capacité de manipuler l'univers et les réalités est fonction du niveau de compétence, et les compétences sont une maîtrise acquise. Encore et en général, il faut une vie entière, assidue, rude, continue, ardue, seule, de travail, intense. Sans distraction, voilà pourquoi seul en général, où tout le monde fait pareil, mais sans distraction. Parce qu'énormément des distractions vous font changer d'hygiène de vie, de régime mental. C'est mon explication. Bon, je me roule une petite clope, excusez-moi. Donc, je continue. C'est le problème majeur de la barrière d'amnésie. Il est difficile d'utiliser les compétences si vous les acquérez, que vous acquérez si vous oubliez constamment ce qu'elles sont. Et c'est le problème majeur, mais c'est aussi l'argument majeur pour se rendre compte que cette théorie-là est complètement farfelue. Qu'on est la théorie comme quoi on est censé venir se perfectionner alors par réincarnation. Théorie très New Age, non ? Pour vous faire admettre, pas que New Age d'ailleurs, religieuse, pour vous faire admettre l'enfer que vous êtes en train de vivre, vous voyez, genre. Oui, karma, patin, coup fin. Question, le domaine est-il supervisé par une puissance supérieure? Et si oui, veuillez nous la décrire. Le domaine est la puissance la plus élevée. Le domaine ne relève ni ne sert sous aucun autre pouvoir. Oh, je vous laisse y réfléchir. Il n'y a rien à dire. Je ne sais pas quoi en dire. Tout dépend de quel niveau on estime le domaine. Est-ce qu'il n'y a pas encore une société galactique plus ancienne, plus avancée, plus sage, plus abstraite, moins interférente? Je ne sais pas. Question-réponse du groupe 6. Appel rapide, réponse rapide. Il a eu l'impression qu'il était sur la lancée. Non, 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 tu n'as rien à faire à moi, hein, tu n'as rien à faire là en bas. Il n'est pas présent, non, non. Question, le domaine et le service aux autres. Et voilà, l'état d'être de STO, Service to Others, bienveillance, non égoïste, hein, non égocentré. Au moins à 55%. Question, comment pouvez-vous être une sensibilité STO, service to others, service des autres, et envahir d'autres ISBI, etc. Est-ce une frappe préventive pour protéger votre liberté, ou est-ce comme si nous prenions contact et voyons si nous pouvons travailler ensemble et sinon nous partons en guerre? Réponse, imaginez que vous avez un corps en très bonne santé. Vous l'exercez, vous mangez bien, vous en prenez soin, tout va bien. Mais il y a un cancer qui s'y développe. Le corps sain était là en premier.
Le cancer attaque le corps avec des distorsions qui perturbent le fonctionnement du corps et finiront par détruire complètement le corps. Être une sensibilité STO, devriez-vous vivre pour autant et laisser vivre le cancer qui se déchaîne? Ou devriez-vous protéger les cellules saines, faibles et impuissantes avant que les cellules cancéreuses dangereuses ne prennent le dessus? Le domaine a été créé au début de tout. Nous avons créé des univers, des mondes, des vies végétales et animales. Nous avons regardé les autres isbis occuper ces corps et commencer à corrompre les créations que nous avons construites. À un certain niveau, il devient nécessaire d'empêcher la création de civilisations dangereuses et de structures qui perturberont ou détruiront l'ensemble, comme c'était le cas avec l'Ancien Empire. Servir les autres, la sensibilité, cette sensibilité, accomplit des actions pour le plus grand bien de tous. Cependant, nous découvrons souvent que les individus du service de soi ont tendance à apparaître lorsqu'ils expérimentent les plaisirs physiques de la beauté dans la réalité physique. C'est le devoir de la sensibilité du service d'autrui de protéger les autres de la malveillance des sociétés qui sont au service de soi, au service d'elles-mêmes. Bon, petit encart politique, c'est bien beau de tolérer tous les partis politiques, mais si vous tolérez un parti politique qui ne tolère lui aucun autre parti politique, vous courez à votre perte. Il faut riposter. Ça a été étudié. Celui qui baisse tout le temps la garde perd. Celui qui attaque tout le temps perd. Il faut riposter à bon escient. Question-réponse du groupe 7. Communication claire, nette et laconique. Libération du bataillon perdu. Pouvez-vous fournir des instructions étape par étape pour aider à libérer le bataillon perdu? Non. Cette tâche est trop importante pour n'importe quel ISBI, peu importe à quel point il est bien intentionné. L'ensemble de la procédure est une entreprise énorme et nécessite un effort de collaboration de groupe coordonné et précis. Les ISBI en prisonniers qui souhaitent participer n'ont qu'à exprimer cette intention selon le système de prière MM et se concentrer sur l'orientation à travers leurs observations, émotions et intuitions, voire sentiments instinctifs, et leurs rêves. Le système de prière MM, en cas, c'est le système de programmation de pensée, le programme d'affirmation. Voilà, hein, c'est des affirmations, ce n'est pas des prières suppliantes. En tout cas, moi, je vous déconseille la suppliance. Je ne suis pas le seul. Hein. L'utilisation de la pensée dirigée depuis l'intérieur de la planète prison permettra à un certain nombre d'événements non physiques de se matérialiser. Ensuite, couplé à une formation ou à des compétences spécifiques qui fourniront dans les laboratoires non physiques à ces ISBI, qui remarqueront ce qui se passe alors qu'ils sont dans leur état de rêve, par exemple, ils deviendront des membres actifs et précieux de tout cet effort. Donc, ensuite, coupler une formation ou des compétences spécifiques seront fournies dans les domaines non physiques à ces ISBI. Donc, vous allez aller à l'école de nuit, quoi, pendant vos rêves, ou vos méditations, peut-être. Question destruction, évasion, de la machinerie et de l'amnésie. Pouvez-vous fournir des instructions claires afin de minimiser, voire d'éviter les effets de cette machinerie d'amnésie? Oui, nous pouvons. Il peut le dire, je peux le dire. Bravo, question suivante. Nous avons vu des agents du domaine s'échapper de ce système et éviter la machinerie sans modification de l'ARNM ou de l'ADN de leur corps physique et la destruction physique matérielle des systèmes. Cependant, ils ont pu prendre le contrôle de leurs pensées jusqu'à un certain point, eux. La clé est la capacité de contrôler ses pensées et de modifier les mécanismes de cette réalité par vos pensées.
Ah, on est en pleine pensée créatrice, hein, là, je vais vous dire, hein, quelque part. Hein. Mais pas que pensée créatrice. Ce que MM, Metallic Man, fait remarquer ici, c'est que l'ensemble du système de visualisation des modèles de lignes du monde sur le MWI, le multivers, la carte qu'il monte de temps en temps dans laquelle vous vous représentez mentalement le point où vous en êtes et le point auquel vous voulez accéder et le chemin, les étapes que vous devrez pratiquer pour y parvenir. Genre dans l'esprit des bonnes résolutions de Noël, quoi, hein, pour le nouvel an. Genre dans l'évolution sociale. Vous arrivez avec votre baluchon en ville et vous visualisez un beau jour avec votre petit commerce, votre petit métier, une famille installée dans la ville. Voyez, par quoi vous devez passer pour arriver là? Ben d'abord, on va trouver une piôle, puis un boulot, puis, voilà, blablabla. On va spécialiser, on va faire ci, on va faire ça. On va croiser des gens, on va faire jouer nos relations, on va intervenir ou pas dans le fluide, le cours fluide d'une vie normale dans laquelle vous ne feriez rien d'autre que vous laisser porter. On verra bien dans le genre. Donc, ce qu'on fait remarquer maintenant, c'est que l'ensemble du système de visualisation des modèles de lignes du monde sur le multivers est une description du système de la planète prison. C'est une machine qui contrôle les détenus. Ce n'est pas une description de la réalité ultime en dehors de la prison. MM a établi une carte et une compréhension sur la façon de contrôler et de naviguer dans et hors de la prison, tout en maîtrisant le contrôle de cette machinerie de réalité. En contrôlant vos pensées, non seulement vous pouvez modifier votre réalité, mais vous pouvez vous échapper du contrôle de l'ensemble du système de la prison planète. Et j'ai un autre encart, ben oui, sur le site Metallic Man, il a quelques articles qui justement traitent de cette programmation d'affirmation. Et vous avez vu comment je fais, hein, je vais sur la page et j'ai pris une extension sur mon navigateur qui, quand je fais un clic droit, me propose de traduire la page en français. Donc, vous pouvez accéder à tout ça. Hein. À tête reposée. Question suivante. Destruction d'autres pièges. Question. Les systèmes religieux font-ils partie des pièges installés ici? Oui. Depuis les premières archives que nous connaissons, l'ancien empire a désigné et créé des systèmes religieux pour contrôler la population. Cela a servi à des objectifs. Premièrement, pour effacer l'idée que les Isbis sont eux-mêmes Dieu. Et deuxièmement, pour créer un environnement effrayant pour le non-respect des règles de la prison. Encore, le fait même en plus de vous revendiquer Dieu, ça a été détourné par les infiltrés dans le mouvement saint qui critiquaient justement les francs-maçons, me semble-t-il, comme vénérant l'être ultime eux-mêmes. Il y a un truc là. Mais en tout cas, nous sommes fractales divines, on est fractales du grand tout. Et c'est ce grand tout-là qui est, à mon avis, la notion de divinité. Mais effectivement, dans cette 3D, là, on est complètement cartonné, on est dans la Matrix, on n'a même plus de rapport avec nos êtres supérieurs, nos corps supérieurs, notre conscience supérieure, qui, elles, sont bien plus au fait de ces choses-là. Question. Sinon, les pratiques religieuses permettent-elles d'échapper à l'amnésie? Au cas où, préciser lesquelles? Ben non. Elles ne servent pas à échapper à l'amnésie, évidemment. Question et réponse du groupe 8. Là, il n'a pas du tout compris la question, mais il l'a lu. Il a obtenu une réponse rapide et claire qui l'a fait sursauter.
un être sur la lancée a continué. Enfin, l'idée d'être dans le flux a continué. Question, les entités maléfiques au sein du système pénitentiaire. Question, hein, je répète trois fois question parce que c'est la mienne. Ah, je dis, mais quel gosse, mais c'est pas incroyable. Non, mais je suis tout excité quand même. C'est bien, moi, c'est sympa. Vous faites un truc et puis pour une fois, il y a une réponse. Mais moi, c'est cool, moi j'aime bien. Alors donc, question. Comment nettoyer les infectés, ces êtres qui corrompent le monde, principalement en tant que membres de sociétés secrètes, et ont dispersé partout les technologies et la 5G et les satellites pour contrôler et taxer tout et tous les êtres. Toutes choses et tous les êtres. Oui, l'agenda de la NASA, le futur, les guerres du futur de la NASA, les blockchains sur la création de fluides corporels, les nanopuces sur toute la nature comme sur tout le reste, les arbres implantés dont on va aussi tirer de l'énergie, soi-disant. Enfin bon, la totale, le nouvel ordre mondial sous contrôle d'une intelligence artificielle par le biais de Wi-Fi et de tous les transferts d'énergie possibles. Et taxation. Voilà. Réponse. Tous les systèmes qui existent dans le monde aujourd'hui sont des dérivés de l'ancien empire et ont été mis en place par des êtres malveillants intentionnels qui se sont réincarnés intentionnellement à des postes de pouvoir. C'est une fonction de base de l'univers céleste qui est attaché et directement adjacent au royaume physique du monde. De plus, vous avez des gardiens de l'ancien empire qui se sont intentionnellement échappés et ont pénétré dans le système, comprenant parfaitement son fonctionnement, se plaçant dans des positions de pouvoir et de contrôle et vivant une vie confortable et de facilité et de richesse, eux. Nous soupçonnons, nous dit l'agent du domaine qui répond à ma question, nous soupçonnons, mais nous n'avons pas enquêté complètement sur cette situation, mais ils semblent avoir truqué le jeu en leur faveur afin qu'ils, les gardiens et les membres d'élite de l'ancien empire, puissent se réincarner encore et toujours conserver leurs souvenirs. C'est comme s'ils possédaient des clés et des capacités spéciales. C'est l'une des tâches que nous devons leur extraire. Malheureusement, ce sont des gens fuyants, glissants. Dès qu'ils sentent que nous allons les avoir, ils meurent et sont immédiatement emmenés dans la construction céleste à travers le tunnel de lumière qui efface tous les souvenirs, sauf les leurs. Et si nous les y suivons, nous aussi, nous serions piégés dans ce système de prison planète, comme le furent les 3000 du bataillon. Ah, parce que la machinerie, elle est costaud, quoi. La machinerie, elle est costaud. La nature même de la planète prison est de créer une existence infernale où les isbis revivraient les événements encore et encore et feraient en sorte que chaque vie qu'ils vivent soit faite de peur, de terreur, d'effroi, de tristesse et de dégoût. La technologie n'est pas mauvaise. Une grande partie de ce que les gens ressentent est la peur de la technologie qui est l'un des contrôles que la planète prison utilise. Un isbi vrai et éveillé, actionné du style Joséphine, déclenché comme le nom de code sur un MKUltra. Il rentre en action. Donc un isbi vrai et actionné n'a pas peur. Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreux individus malfaisants et corrompus utilisent la peur pour prendre le contrôle, et obtenir une satisfaction émotionnelle de sadique, vous savez. Actuellement, le domaine doit sauver le bataillon perdu. Ensuite, il aidera à libérer tous les esprits tournés vers le service aux autres. Ces personnes ont aussi piégé dans la planète prison. Donc voilà, ça c'est une réponse pour moi. Commence par nous aider à libérer nos agents qui sont des pointures, mais là, elles ont été mises à zéro. Mais si elles ne sont pas à zéro, c'est des pointures, plus que nous. Donc on va commencer. Voilà, charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans un incendie ou une noyade, commencez par vous sauver vous-même, de façon à pouvoir aider les autres.
Si vous êtes entravé par vos habits, vous ne pouvez pas commencer à aider à sauver quelqu'un qui se noie sans vous-même d'abord être désentravé de vos habits qui vous gêneraient, hein, au cas où ça vous gênerait. Vous voyez l'exemple, ce que je veux dire. Sinon, les deux vont couler, quoi. Dans un avion, la mère doit d'abord se mettre le masque à oxygène avant de s'occuper de son enfant. Parce que si elle lui met d'abord, elle va tomber dans les vapes avant de l'avoir remis. Ou en tout cas, le bébé, lui, ne sait rien faire avec son masque à oxygène. Tandis que la mère peut au moins prendre soin de lui, quoi. Vous voyez ? Bon, pas le sujet. Bon, j'ai eu une super réponse. Hein. Ah, je suis touché, hein, j'étais ému. Voilà, c'est un honneur, quoi. Merci beaucoup. Trop cool. Bon, continuons. Pour mémoire, ces communications sont relativement faciles pour Metallic Man à engager. Son problème est de recevoir les contacts sans le bruit de fond. Si l'amplitude de la connexion est augmentée, les messages sont très clairs. Mais il finit par trembler comme une feuille. Il est déshydraté, il devient une boule émotionnelle et il passe les 8 heures suivantes à rebondir sur les murs. Pour contrôler cela, il a demandé de baisser l'amplitude et il a commencé aussi à écouter plus attentivement sans avoir les effets secondaires gênants. Question-réponse du groupe 9. Bon, il a eu la question. Il a eu entendu un moment, puis c'est arrivé. Les campagnes d'affirmation, donc les programmes de prière, les campagnes d'affirmation, en fait, et le domaine. Oui, comme ça, on va s'éloigner de la pratique religieuse. Hein. Déjà, l'institution religieuse est biaisée, pour le moins, mais leur méthode, leur manière de le faire, tout va dans le même chemin, évidemment. Donc, on va prendre une autre méthode. Et en tout cas, on ne va pas considérer qu'on ne sait rien faire, on ne peut rien faire et qu'il nous faut l'aide d'un sauveur extérieur. Non, ça ne marche pas comme ça, le cerveau. Ce n'est pas comme ça que « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ou en tout cas, pas autant. Vous pourriez être aidé par une entité qui va se gaver par la suite de votre énergie, de votre confiance. Et c'est une entité pas bien. C'est possible, ce genre de situation. Hein, pour le moins, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais c'est possible. En tout cas, les hypnoses régressives nous montrent qu'il y a des gens qui sont possédés comme ça de génération en génération. Alors, question, les campagnes d'affirmation visant à annuler tous les contrats souscrits involontairement sur nos âmes, corps astral, aideront-elles à briser l'amnésie ? Oui ! Elles sont l'outil le plus puissant pour ceux qui ne peuvent pas supprimer leur préconditionnement, leur programmation, et définir des biais de base et des constructions sociales. C'est une méthode de contrôle de la pensée. Le meilleur et le seul moyen pour un détenu ISBI de s'auto-actionner est le contrôle de la pensée. Vous voyez, alors, la campagne de peur générée par le gouvernement vous enlève au moins un pourcentage de votre capacité de guérison, de penser même que vous seriez capable de guérir tout seul, quoi. Pas vous, pas moi non plus. Nous, on craint des gars. Et le tabac et la nicotine sont bons contre le virus. Ouais, en plus. Question, si nous ne sommes pas d'accord avec l'hypnose, cela va-t-il nous aider ? Tout ce qui se concentre sur le contrôle de l'esprit aidera, mais l'accent doit être mis sans crainte des conséquences de la peur de la société ou de toute autre peur, car celle-ci entrave le traitement des pensées. Le traitement des pensées, c'est leur capacité à générer l'énergie nécessaire à la réalisation de vos désirs. Hein.
D'ailleurs, il y avait quelque part bien plus de chances de voir se réaliser les désirs que vous aviez sans que vous n'y ayez de bénéfice vous-même. Si votre désir, c'est de gagner la loterie, vous pouvez y aller. Rendez-vous plus tard. Dans une autre vie. Même si, évidemment, une loterie nous permettrait là de le payer des avocats qui nous défendraient, nous payer des professionnels qui nous défendraient. Le matériel pour se défendre. Bon, ce n'est pas le sujet. Les mécanismes en place prennent ces peurs et les utilisent pour plier les ondes de la pensée. En tant que vecteurs déformés, ils finissent par aller dans d'autres endroits et le détenu sans défense est obligé de vivre la vie en serpentin, c'est-à-dire pas du tout la ligne directe d'évolution, hein, mais des étapes en plus. Hein, vous alliez en voyage et puis hop, vous avez crevé, ben, tiens, ça retarde 2 heures et puis en plus, il faut bosser pour payer la roue et puis voilà. Donc, ça retarde de 2 jours et puis... Dadadadada. Ils vivent la vie en serpentin et encore, la peur contrôle tout. Méfiez-vous de toutes les sources de génération de peur. Cela inclut les médias religieux, la politique, les amis, les rumeurs, la société et tout ce qui vous fait remettre en question vos actions, qu'elles soient prises ou non. Qu'elles soient accomplies ou non, je suppose. Question-réponse du groupe 10. Destruction de la machinerie amnésique. Existe-t-il encore des machines dans la réalité physique sur Terre? Réponse. Nous soupçonnons que oui. Certains systèmes autonomes, auto-actionnés, existent encore à la surface de la Terre dans la réalité physique. Ceux qui s'auto-alimentent, plus vous flippez, plus ils sont agressifs et vous coincent. Nassant. Cependant, nous n'avons pas été en mesure de localiser les machines. Ils ont été savamment dissimulés et leurs empreintes sont difficiles à suivre si vous ne savez pas quoi chercher. Ces éléments qui résident dans les réalités non physiques sont beaucoup plus faciles à localiser. La meilleure façon de suivre ces mécanismes est de suivre les canaux de communication lorsque la machinerie physique interagit avec la machinerie non physique. Tout cela nécessitait un soutien, une analyse et un désarmement. Bip. Et de suivre les canaux de communication lors d'interactions entre la matrice physique et la matrice non physique. La machinerie physique et la machinerie non physique. Je ne sais pas si c'est l'équivalent de la scène du chat noir dans Matrix 1, justement. Et dans le 4. J'ai l'impression que le 4, dont j'ai vu quelques teasers, reprend les 1, 2, 3. Il les réexplique. J'ai l'impression. C'est soit parce qu'il y a une urgence à ce qu'on capte la chose, coup de sympathie des Wachowski, qui ne sont pas si Wachowski que ça, ou pas. Bon. Si oui, comment nous pouvons-nous les reconnaître si nous en rencontrons de ces machines? Vous ne seriez pas en mesure de le reconnaître. Même si vous le pouviez, il serait beaucoup trop dangereux pour vous de désarmer ou de tenter de désarmer la machine. Le dernier côté, Terre. Oui, le dernier événement physique qui a eu lieu, c'était à Tunguska en 1908. Excusez-moi, mais il n'arrête pas de nous balancer des perles dans cet article, des infos cool, quoi. Un mécanisme majeur a été complètement détruit. Il avait été caché sous un bouclier de force, un champ de force. Nous pensions que cette installation était une installation de logistique et de stockage restante de l'ancien empire, ce qui semblait avoir un certain contrôle sur les processus de pensée locale.
à cette époque, nous n'étions pas conscients de la véritable étendue des systèmes. C'est parce que nous n'étions pas conscients d'une clôture électronique entourant la région ou du véritable objectif et nature de la région, et de la nature de la région. Nous pensions à l'époque que c'était le dernier des systèmes restants, mais nous nous sommes trompés. Il y avait toute une base pleinement opérationnelle avec du personnel de l'ancien empire opérationnel et existant. Ignorant cela, et sous l'impression que nous avions nettoyé les systèmes, nous avons commencé une opération pour tenter d'apporter la paix et la stabilité à la Terre à ce moment-là. Aïe, aïe, aïe. C'était une opération qui a permis à nos officiers du domaine d'occuper le corps de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche-Hongrie. Le plan était de supprimer une accumulation de griefs allant vers la guerre en rétablissant les relations austro-russes, tout en maintenant une alliance avec l'Allemagne. De l'époque, c'était peut-être la Prusse, non ? C'était déjà l'Allemagne. Donc, petit encart, Lisby qui a pris la place de la conscience de François Ferdinand ne s'est pas rendu compte, apparaît-il, de l'animosité que sa position créait dans les populations locales. Encart, pour, moi j'avais aussi la version comme quoi c'était un agent plus ou moins MK, mais pas que, de la Mano Negra, c'est-à-dire une des mafias du coin à l'époque, en relation avec la loge P2, possiblement, allez savoir, et qui avait décidé l'attentat, quoi, et qui avait envoyé un agent, ce n'était pas du tout quelqu'un du peuple qui était exaspéré par la présence de François Ferdinand, comme nous pourrions l'être aujourd'hui par la présence d'un troublion qui siège actuellement à l'Élysée. Bon, reprenons. Comment notifier le domaine afin qu'il puisse être désactivé et supprimé en toute sécurité ? Que les machines puissent être désactivées et supprimées. Tous les ISBI qui souhaitent travailler avec le domaine n'ont qu'à déclarer qu'elles se portent volontaires pour faire partie du domaine. Campagne d'affirmation. Puis, au fil du temps, divers systèmes permettront un suivi instantané de toutes les expériences de l'ISBI ainsi concernées. Ah ben, si vous vous engagez, là, vous voyez, là, c'est du recrutement là, qui nous fait un peu, là, hein, quelque part. Mais pas du recrutement volontaire, évidemment. Hein. On peut le voir comme étant « waouh, il nous amène », et je le vois aussi comme ça, mais on peut aussi le voir comme « bon, alors, maintenant, vous n'arrêtez pas de demander ce que vous pouvez faire, vous voulez aider, participer, donc c'est une main tendue. Hein. » Alors, chacun fera ce qu'il voudra, hein, c'est bien clair. Hein, bizarrement, ouais, quelque part. Je ne peux pousser les gens à adhérer. Je ne peux pas prendre cette responsabilité-là, moi. Et je pense qu'on a tous besoin d'être tous des consciences qui sont d'abord responsables d'elles-mêmes, d'abord, hein, qui se gèrent d'abord elles-mêmes et qui ont suffisamment encore de capacité pour élargir leurs compétences alentour. Et non pas le contraire, hein, c'est-à-dire de gens qui ont déjà besoin d'aide au jour J d'aujourd'hui. Voilà. D'un autre côté, ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin d'aide, par exemple. Hein. Je connais une ou deux copines qui diraient « on voit qu'il n'y a pas de femme chez toi hein. ». Attends, je pousse les trucs, je vais à la cuisine. Ouh là 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 là. Non, non, l'évier est propre, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est partout ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Et de pire en pire, à peu près, ouais. Enfin, bon, c'est pas très grave pour l'instant. Je me suis pas encore perdu. Puis il y a les chats qui rangent, alors tout va bien. Question-réponse, groupe 11. Alors là, c'était étrange pour lui.
Il a juste copié le texte du commentaire sans le lire. Il l'a déposé dans WordPress, copié-collé. La chaîne a éclaté de rire. C'est-à-dire la réponse de la chaîne de commandement hein, en face a éclaté de rire. C'est vraiment un sentiment étrange. On a fait rire les grilles de type du domaine. Ce qui était vraiment un sentiment étrange, c'est un petit peu comme avoir un vibromasseur dans le crâne. Dans le crâne. Les réponses sont venues en douceur, comme du sirop chaud. Question, pourquoi maintenant ? Mon premier problème est que la chronologie originale a été avancée de 5000 ans. Cela implique que quelque chose de vraiment important s'est produit et qu'ils ont besoin d'un nouveau plan d'action. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu qui les a pris par surprise ? Réponse, oui. Il était inattendu que les détenus de la planète prison soient désireux de travailler avec le domaine. Bien sûr, ils avaient des arrière-pensées, c'est volontaire. Ils voulaient du pouvoir, de la technologie, des connaissances, des compétences qu'ils pourraient utiliser pour dominer les autres et obtenir plus de pouvoir. Encore, non, pas que. Moi, je veux bien du pouvoir, de la technologie, des connaissances et des compétences que je pourrais utiliser pour aider les autres, pour m'aider moi-même et les autres. Pas pour dominer les autres. Mon but, ce n'est pas de vous dominer, par exemple, quoi, je veux dire. C'est de vous amener à ma place, dans les capacités d'en faire autant. Donc, franchement, ce n'est pas de vous dominer. Je vais me faire dépasser par mes élèves, si je élève, enfin, les pamonautes. Il y en a déjà certains qui me dépassent. Tant mieux. Le plus il y en aura, le mieux ce sera. Hein, je vous le dis tout de suite. Alors, en toute humilité, si on peut dire. Allez, on reprend. Nous avons établi des lignes de communication et nous sommes engagés dans des activités de transfert de technologies de nature mineure. En échange d'une assistance pour surveiller l'environnement, la société, les tendances et pour nous aider à commencer à fermer l'appareil, enfin l'appareil, le mécanisme pénitentiaire. Une fois que nous avons demandé et obtenu l'approbation de nos dirigeants, des ressources ont été allouées et un personnel a été augmenté pour aider à atténuer la situation ici et à aider à récupérer et à restaurer le bataillon perdu, les 3000. Une colonie importante a été établie dans la Lune, dont MM Metallic Man a déjà parlé. Ah ah ! Il faudra en parler, Alexandre. Ah, bravo, Silvano. Alors là, c'est ballot, par contre, que tu ne l'aies pas repris en disant, je ne sais pas, on a passé plus de temps à étudier la Lune que tu n'as étudié, toi, la pisse, puisque, en fait, il est urologue, hein, me semble, hein, machin. Et ce n'est pas péjoratif vis-à-vis de la pisse. Hein. C'est un produit magique aussi. Alors bon, reprenons. Mais bon, c'est clair. Moi, j'ai plus d'années d'études en exopolitique qu'il n'a d'années d'études de médecine. Pas de pratique de médecine, mais d'études de médecine, j'ai plus d'années d'études. Et 14 heures par jour. Hein. Donc, 14 ans, 14 heures par jour. Ben, je ne sais pas, ça vaut quelque chose quoi, quand même. Hein. Même s'il y a peut-être 10%, 15% de trucs un peu flous. Hein. Bon. Oui, oui, il y a un petit pourcentage de trucs un peu flous. Et puis, il y a des sujets que je ne connais pas du tout. Mais bon, pas dans ce que j'ai étudié. Dans ce que j'ai étudié, il a passé moins d'années à étudier sa médecine. Donc, se moquer de personnes comme ça, enfin, il ne s'est pas moqué de moi, mais Silvano aussi, il a dû passer un certain temps sur la Lune. Façon de parler. Voilà, voilà. Et pas que sur la Lune. C'est un tout. Pour arriver à concevoir tout ce qu'on raconte sur la Lune, il nous faut toutes les autres bases en même temps. On va toujours un peu plus loin dans les conclusions en reliant les points avec de nouvelles informations et ça relie un nouveau point et ça nous amène plus loin dans nos conclusions du moment. Alors donc, le domaine, là, ils ont un gouvernement, enfin, des responsables, un, je sais pas, un comité,
un Sénat, on va dire, à qui ils ont demandé et obtenu des fonds et du personnel pour venir bosser sur la planète. Hey. Alors ça, avec une date, ça aurait été bien, parce qu'on aurait pu dire « Ah, mais ça correspond à la vague d'OVNI qu'on a vue tel jour. » Ça, j'aimerais bien, moi, des recroisements comme dans ce genre-là aussi. Dès le début, nous avons commencé à rassembler des membres du bataillon perdu et à implanter des systèmes EBP pour aider à les suivre et à les surveiller. Ils sont généralement indisciplinés à l'extrême en ce qui concerne cet effort. Tu m'étonnes. Nous avons également identifié des ISBI individuels clés qui semblent être sur le point d'avoir les compétences nécessaires, de manière indépendante par eux-mêmes, pour quitter cet environnement de la prison planète. Enfin, il y a une partie de membres de Majestic, comme Metallic Man, qui ont un rôle particulier dans tout ce projet. Il y a eu des progrès remarquables depuis l'événement de Roswell. Et depuis que Majestic a été lancé, l'aide du côté de la Terre a été inestimable. Depuis lors, nous avons contacté indépendamment d'autres gouvernements et entités dans le monde et d'autres groupes travaillent avec nous dans cet effort. Ces organisations sont diverses et toutes sont secrètes. Donc, je ne pense pas qu'Alatra en fasse partie. Ah, le petit truc là qui me passe par la tête là, parce que eux, c'est affiliation aux Anunnaki. Hein. Ra. Ahala et Ra. Donc, ça ne va pas du tout. Des entités qui sont passées pour des divinités. Ce qu'elles sont par rapport à l'humanité actuelle, mais elles sont loin d'être des divinités au sens de source. D'ailleurs, elles se comportent mal. Hein. Elles ne sont pas indépendantes, elles ont besoin de nous taxer. Quand même pas une situation divine, ça. Au contraire, nous, on devient divin à partir du moment où on est créateur, par nous-mêmes, en plus. Et de belles choses, si possible. Tant qu'à faire. Bon, reprenons. Donc, ces organisations sont diverses et toutes sont secrètes. Aucune n'annonce son travail, son processus ou ses campagnes de recrutement. Il existe des organisations formelles dans la Russie moderne, l'Inde, la Chine, le Bangladesh, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Afrique. Chaque organisation a un certain rôle. Certes, l'organisation américaine Majestic a été très occupée, mais les autres organisations, avec des noms qui nous sont cachés, sont inestimables, surtout à ce moment précis. Et c'est ballot qui nous les ait, parce que ça a été expurgé intentionnellement par Metallic Man. Alors, je ne sais pas, il y a bien sûr une intention. Si elle nous avait été citée, je suis frustré. D'un autre côté, plus vous déclarez, plus vous faites infiltrer en tant qu'organisation. Et ce n'est peut-être pas le moment, hein, c'est clair. Il y a certainement toutes sortes de consciences gravement mauvaises et d'ISBI qui sont en position de pouvoir et de contrôle. C'est une question. Il semble conduire le monde au bord de l'extinction. Que se passe-t-il? Que pouvons-nous faire? Réponse. Vous êtes en milieu carcéral. Il y a beaucoup de mauvaises personnes avec vous. Il y a un pourcentage élevé de personnes très perverses dans cet environnement de prison planète. Et ils ont créé des systèmes et des systèmes sur des systèmes qui reflètent leurs désirs. Finalement, tout le système explosera dans un effondrement majeur. Et la société devra alors se reconstruire à nouveau. C'est ce qui arrive lorsque vous avez un certain seuil de personnes malfaisantes en position de pouvoir dans la société. La bonne nouvelle est que le domaine a des agents qui occupent maintenant, les corps d'individus clés et qui n'appuieront pas sur le bouton rouge ou ne s'engageront pas dans la guerre, peu importe ce que leurs dirigeants fous, diaboliques et vils pourraient vouloir qu'ils ne fassent. Eh bien, ça, si ça ne fait pas plaisir. Et donc, ça reprend l'idée comme quoi toute guerre nucléaire ou guerre mondiale, enfin, guerre avec nucléaire prochaine, est hors de question. Obama voulait balancer une ogive
à distance de la Caroline du Sud pour créer un tsunami qui balaye toute la côte est américaine. Il a dû licencier 5 amiraux, me semble-t-il, qui avaient refusé cet ordre-là. Il aurait pu y avoir, il y a plus récemment, un lancement de missiles autour d'Hawaï qui aurait généré une réponse Ziti de destruction du missile. On a la vidéo du panache de fumée qui s'envole, il n'y a rien au bout. Il n'y a plus rien au bout. Il se passe un truc. Et en 2014, il y a eu Tcheliabinsk, ce météorite qui est arrivé, qui n'était pas un météorite, qui était une sorte de vaisseau spatial, qui s'est fait intercepter par au moins une navette. Il en est en tout cas reparti, à mon compte, trois ou quatre des navettes, si ce n'est pas plus. Et ça a été détaillé dans plusieurs vidéos. J'en ai fait une ou deux dessus, avec des visions de la séquence vidéo. En inversion d'image qui permettent de voir la navette arriver derrière le météore et en repartir après l'implosion, avant l'implosion, après l'implosion, pendant l'implosion. Ces gens-là, dans les mini-navettes, là, ils vivent plus vite que nous. Ils arrivent, ils repartent. Voilà, vous imaginez? Là, je vous le décris. Ils arrivent et ils repartent. Ils arrivent et ils repartent. Donc, ils sont arrivés, ils ont ouvert la porte, ils ont récupéré le personnel, immobilisé les méchants, détruit les installations, mis les explosifs implosifs, remonté dans leur navette, échappé, et là, implosion. Ils ont fait tout ça. Eh ben, moi, je ne sais pas, ils maîtrisent le temps, ils font un truc, quoi. Parce qu'on voit la navette qui arrive et qui repart. Donc, et le truc qui implose. Et le trou qu'ils ont trouvé dans le lac, gros pipeau, hein. Gros pipeau. D'ailleurs, quelque chose qui arrive en tangentielle, ça ne fait pas un trou circulaire. Toujours pas. Ah non, non, même sur la glace. Ça ne fait pas un trou circulaire. C'est une virgule, pour le moins. Enfin bon, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, bonne nouvelle, voilà, on a des agents positifs aux commandes des boutons rouges. Évidemment, avec une telle déclaration, on peut se demander s'ils vont rester en place encore longtemps. Est-ce qu'ils sont déplaçables? Est-ce qu'ils sont protégés? Est-ce que si? Ah, on peut se demander. Parce que ça, c'est un article public, hein, donc. Vous n'avez pas à vous soucier de cela. Le domaine ne permettra pas une répétition de la Première Guerre mondiale. Cependant, un événement plus petit et plus localisé pourrait encore se produire, même s'ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour l'empêcher de se produire. Certains événements, comme des raz-de-marée, des typhons, des ouragans, peuvent être préparés, mais vous ne pouvez pas les arrêter. Ils doivent suivre leur cours. Oui, on pourrait les amoindrir, à mon avis, avec ARP, mais peut-être qu'on ne sait pas le faire, ça. Mais on sait les générer et les amplifier, ça, on sait. Pour preuve, l'ouragan qui est passé au ras de New York le 11 septembre, rien que pour aspirer toutes les poussières, les nanopoussières, qui n'étaient pas du tout le résultat d'un incendie. Pour faire court, y a-t-il quelque chose qu'ils devraient nous révéler, nous les humains ou les participants, en gardant à l'esprit que nous les humains pouvons être assez altruistes, et si les choses ont un impact sur l'humanité, nous devons toujours avoir une divulgation de bonne foi. Non, il n'est pas nécessaire de divulguer ce qui pourrait générer de la peur. La peur détourne l'attention des pensées, et les pensées affectent la réalité. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les situations impliquant la planète prison Terre sont surveillées et observées. Et que des ressources ont été mises en place pour atténuer tout événement catastrophique. Hein, atténuer. Question. Si nous avons une fenêtre éventuellement limitée pour communiquer, alors peut-être nous devrions nous concentrer sur les priorités de l'humanité et du domaine. Réponse, oui, très correcte. Merci de votre compréhension. Hein, donc, si vous posez des questions dans ces Donc, quelles que soient les vidéos, en fait, en général. Tâchez de faire en sorte que ça ne concerne pas uniquement vous, que la réponse puisse satisfaire une grande partie du public, pour le moins. Si ça vous concerne, vous, quand même. Question.
Pardon. Mon instinct me dit que nous devons comprendre pourquoi il se tourne vers nous. Dans tout accord, nous devons connaître la dynamique. Réponse. Cet événement avec MM était prévu au départ de Majestic et s'est produit avant la naissance de MM, de Metallic Man. Tout suit désormais les étapes fixées par le domaine. Le plan est bien pensé et méthodique. Là, on est... Q, trust the plan. Mais bon. Le plan est bien pensé et méthodique, ok. Mais en face, les attaquants, ils s'adaptent aussi. Hein. La preuve, c'est qu'ils ont là leur programme actuel de shoot. Il devait arriver dans les années 30. 2030. Suite. Le site Metallic Man n'est pas la seule ressource opérationnelle que nous mettons en place. D'autres travaillent dans d'autres capacités et tous ont des degrés de réussite variables. Pardon. J'ai dit le site Metallic Man ou l'agent Metallic Man. N'est pas le seul agent qu'ils ont réactivé. Question-réponse au groupe 12. Raisonnement derrière la communication de ce moment. Quelle était la raison pour laquelle nous avons demandé notre aide à ce moment-là? Nous avons demandé notre aide? Non. Enfin, suite de la question, y a-t-il une urgence dont nous devrions être conscients? Je regarde la version anglaise pour... Ah oui, c'est un peu plus haut là. Parce que j'ai un problème de traduction. Bah, j'en étais où? À la 12. Ouais. Voilà. Ben oui. C'est une question pour le domaine, donc c'est le domaine qui a demandé notre aide. Oui, c'est vrai. En proposant de pouvoir communiquer par le biais de Metallic Man, c'est parce que ça leur permet d'agrandir l'interaction. Oui, d'accord. Dans ce sens-là, alors. Réponse. Non, tout est dans les temps. Nous, le domaine, prévoyons de faire participer la population générale à l'horizon 2021. Encore, j'ai écouté la vidéo de campagnole de ce jour, du 20 septembre 2021, où il nous parle une fois de plus du moment proche où, suite à un événement solaire, on va dire électromagnétique majeur, il va se passer de telles choses que toute la technologie électromagnétique, reconnaissance faciale, mais les transferts de communication, le tirage des sous à la banque, enfin la totale, quoi, hein, tout va tomber à l'eau. Tout va prendre l'eau. Tout va disparaître, quoi. D'accord ? Donc, toutes les informations pour survivre que vous avez stockées sur les disques durs, à moins que vous ayez préservé un système de lecture de tout ça, en cage de Faraday qui tienne le choc, que vous pourrez alimenter longtemps et tout ça. Foutu, hein, foutu. Faut tout avoir dans la tête ou tout avoir en bouquin et la vue pour le lire, parce qu'il faut écrire petit, parce qu'il y a beaucoup à écrire. Hein. Sinon, vous portez 25 kilos dans chaque poche. Voilà, voilà. Bon, cela fait exactement 40 ans que Metallic Man avait rejoint Majestic.
Question, quelles compétences, talents ou perceptions possédons-nous en tant qu'ISBI prisonniers qui pourraient nous aider dans cette mission? Réponse. Les détenus qui souhaitent aider le domaine possèdent une sensibilité de service des autres, ils sont au service des autres, qui est différente de la sensibilité du service à soi, du Majestic et d'autres organisations gouvernementales. Encore, là, ça me fait plaisir parce que c'est ça, c'est bien ça. Le domaine n'a pas la même fibre humanitaire vis-à-vis de nous qu'avait le Majestic, ainsi que donc la Confédération Galactique avec lequel le Majestic est en contact, quelque part, une partie du Majestic. Enfin bon, le complexe militaro-industriel jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il a fait? Le Men in Black nous disait qu'ils avaient désingué des témoins gênants, quoi, quand même. Ça, c'est pas de la... On vient vous aider, divulgation, révélation, mets-toi à jour. C'est, on travaille en secret et on ne veut pas que vous le sachiez, donc c'est rarement pour le bénéfice des gens, hein, dans ce cas-là. Surtout qu'on sait, nous, qu'ils sont en contact, en tout cas, avec des gens qui se comportent très, très mal vis-à-vis de certains humains et humaines, n'est-ce pas ? Et de la civilisation en général, d'ailleurs. On n'a pas accès aux énergies libres, mais c'est un scandale. D'ailleurs, tiens, Campagnol, le gars qui transmettait l'information à Campagnol, disait aussi, il parlait de cette énergie libre, écologique, qui nous est cachée. Non, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point je suis ravi de voir de tels sujets abordés sur une telle rubrique qui concerne des gens qui, en général, bon, sont éveillés et tout ça, en tout cas la situation politique, mais sont très, très loin de fréquenter ma chaîne, je pense. Hein. Par exemple, hein, ma chaîne, ou celle dans le genre. Bien. Nous avons besoin d'un dévouement désintéressé à une cause et d'une pensée dirigée qui s'inspire de l'intérieur des limites de la prison planète. En cas de confusion quant à ce que l'on attend d'un service aux autres, un STO, pensez à cette vidéo qui a été portée à son attention ce matin. Alors, c'est des louveteaux, hein, colonies de vacances, très militarisées, hein, très, très militarisées. Une version chinoise des louveteaux, voilà, des éclaireurs. Eh bien, il y a quelqu'un qui jette une grenade, il se jette à plat ventre dessus. Pendant ce temps-là, tous les autres s'éloignent et se protègent. Et lui, il étouffe la détonation avec son corps, défendant. Il a quel âge? Bon. Quand on était petit, on faisait ça aussi. C'est vrai que ça ne nous coûtait pas grand-chose parce que c'était un jeu, on jouait à la guerre. Mais on faisait ça, ouais, c'est vrai. Des fois, on faisait ça. Après, plus tard, on veut toujours sauver la princesse, des fois, hein, aussi. Même si on est déjà marié, alors là, ça, je ne sais pas. Reprenons. La honte. Oh bon, non, si je tombe la princesse, c'est pour la niquer. mon Dieu, le niveau de déplorable. Ben, ça m'apprendra à faire une vidéo au lieu d'aller manger. Voilà. Donc, du coup, on est toujours le matin pour moi. Alors, y a-t-il quelque chose dans le monde physique que nous devrions faire, que ce soit en ce qui concerne le bataillon perdu ou les pièges et machines de l'ancien empire, ou nos efforts se concentreront-ils sur le domaine spirituel et les campagnes d'intention? Réponse. L'aspect le plus important de la participation est d'ancrer les efforts dans le cadre des campagnes d'intention. Ceci est crucial pour cette phase de l'effort. De plus, nous pourrions demander à certaines personnes ayant d'autres compétences avancées de participer d'autres manières, et nous pourrions demander à quelques-unes d'accepter une modification EBP. Ai-je besoin de faire un encart?
Ah, c'est-à-dire que si vous connaissez Elena Danan, elle est censée avoir une sonde, hein, un implant de communication télépathique avec son pote galactique, là. Alors, écoutez, ce n'est pas parce que vous avez un implant que que les communications qui vont y passer seront sécurisées, j'en sais rien. Je suppose que oui, dans une certaine mesure. Mais là, on ne sait pas. Enfin, moi, je ne sais pas. Dans son cas, elle. Qui c'est qui parle de l'autre côté, hein? Mais de l'autre côté, c'est intéressant de voir. Enfin bon, j'écoute à l'occasion, oui, bien sûr. Malgré tout, ben, j'écoute plein de choses pour pouvoir faire le tri après. Il faut tout écouter, évidemment. Ou presque. Donc ça signifie que il pourrait demander à quelques éléments parmi nous d'accepter de choper une sonde EBP dans leur corps physique, celui-là. Hein. Dans l'autre, ils ont juste à demander notre accord. C'est aussi conçu et c'est aussi impliquant. Hein. Je ne dis pas que du coup, c'est moindre. Mais bon. C'est pour ça que je vous dis que je peux forcer personne à rien parce que j'ai plein de lacunes. Voyez? Et je n'ai pas envie de signer une loi qui m'exonère de toute responsabilité en cas d'effet secondaire. Je préfère ne pas être dans cette situation-là. Voyez? Voilà. Bon, question suivante. De quoi devrions-nous nous méfier le plus et devrions-nous nous attendre à faire partie de cette opération pendant plusieurs vies? Réponse. Chaque esprit est différent. Idéalement, ce serait le dernier cycle de réincarnation pour les participants avec le domaine. Mais les autres, là, avec ce qui se passe en ce moment, les améliorations, les implants, la 5G, l'intelligence artificielle, l'interface, la perte de conscience, les shoots qui vous transforment la conscience, hein, de plus en plus de témoignages de brouillard cérébral. La personne qui se sentait assise à côté de son corps, elle venait de se faire injecter, elle s'est retrouvée assise à côté de son corps. Elle n'arrivait plus à. Comprenait plus. Et ça dépote leur truc, là, le graphène, le spike, et les nanotechnologies, et les parasites associés. Parce qu'il y a des parasites, il y a des trypanosomes dans certains échantillons. Trypanosome, moi, je crois que c'est la maladie du sommeil, par exemple. Enfin, c'est un parasite. Le parasite peut servir de vecteur de transmission. Hein. Ouais. Et avec un parasite, il y a une intention, il a une conscience, le parasite. Il a une nano-conscience, mais il a une conscience, ce truc-là. Il a une intention, il veut se nourrir, il veut survivre, il cherche, il est en interaction, il a les stimuli qu'il perçoit par sa membrane. C'est son cerveau d'une cellule parasitique. Le cerveau, c'est la membrane. Oui, dans le noyau, c'est les gonades, hein, c'est les roustons. Voilà. L'interface, c'est la peau, la double paroi lipidique et tout ça, là. Après, non. Donc, chaque esbille est différent. Idéalement, ce serait le dernier cycle de réincarnation pour les participants avec l'effort du domaine. Cependant, la peur est un puissant moteur et tous ceux qui veulent être au service des autres ne le sont pas vraiment. Ainsi, il y a ceux qui peuvent choisir d'aider avec le domaine, puis après la mort, vouloir revenir dans l'univers céleste associé à cette planète prison et recommencer une vie. Question. Quels plans avez-vous pour la réhabilitation de vos isbis emprisonnés et la libération d'autres isbis favorables? Nous travaillons actuellement sur des systèmes pour ce faire et cela nécessite un certain nombre d'aides qui sont et seraient considérées comme très étranges à votre sensibilité. Mais les systèmes de réadaptation sont en cours de développement et respectent le calendrier. Donc, cela nécessite un certain nombre d'aides qui sont et seraient considérées comme très étranges à votre sensibilité. Ça veut dire quoi, ça? Hein?
Ben, ça veut dire que vous pouvez regarder les films de science-fiction avec des scènes dans les tavernes de l'espace pour vous habituer à des configurations physiques de la part des entités qui peuvent dépoter, quoi, je veux dire. Hein. Je ne veux pas que tu ailles là-dessous. Tu compris? Mais les systèmes de réadaptation sont en cours de développement et respectent le calendrier des charges. Question-réponse au groupe 13. C'était une réaction intéressante de la part du domaine, sans semblable, étonnamment rapide, comme de la façon dont un père parlerait à un jeune enfant qui vient de perdre son chiot. C'était un sentiment très curieux, nous met-il en italique. Communication existante avec le domaine. Certains d'entre nous sont très conscients et activement engagés dans nos contrats via le domaine, mais ont pris conscience d'une brèche dans les efforts de communication. Allons-nous bientôt rouvrir nos chaînes? Ben, c'est-à-dire, c'est des sites de divulgation exopolitique qui se sont fait censurer. Pas qu'exopolitique, peut-être, hein, d'ailleurs. Politique tout court, voire même sanitaire en ce moment. Allons-nous bientôt pouvoir ouvrir nos chaînes ou est-ce une trop grande menace pour la sécurité en ce moment? Quelqu'un d'autre s'est-il demandé pourquoi nous nous sentons contraints à l'isolement et au silence? Je ne ressens pas vraiment ça, moi, mais c'est moins grave si aujourd'hui je laisse passer plusieurs jours sans faire de vidéo. Mais après, ça dépend. Ça dépend des informations sur lesquelles je tombe. Celle-là, je suis tombé dessus. Besoin de faire une vidéo. Oui, c'est pas envie, c'est besoin. Réponse après une longue pause. Il existe des contacts autorisés et non autorisés. Il y a aussi des fraudes et des canulars. Metallic Man et les membres de sa cellule de projet sont les seuls contacts autorisés directs par les seuls contacts directs autorisés par Majestic. Une fois nous avons autorisé la communication ad hoc des agents de domaine dans l'environnement pénitentiaire, comme avec Nikola Tesla. Ah. Cela s'est terminé par des directives. Par directive. Ouais, bon. Je sais pas quoi. Lorsque nous avons décidé de mettre en œuvre des efforts pour récupérer ce système solaire. Et du coup, il n'y a plus d'efforts de communication non autorisés. Cela s'est terminé par directive. Qu'est-ce qu'il voulait dire là? Donc je cherche, excusez-moi. On en est à la 13, non? Oui, je crois. Oui. Ouais. Ah, ils y ont mis fin par une directive au moment où ils ont entrepris de récupérer le système solaire. Ce qui nous place donc cet effort de récupération entre 1905 et aujourd'hui. Oui, il y a des contacts par l'intermédiaire d'autres organisations. Nous n'autorisons pas la communication individuelle sans une sonde EBP physique installée dans le corps physique. Vous saurez si vous l'avez. Cela se passe dans le corps physique. Il n'est pas facilement rejeté ou oublié une fois qu'il y est. La communication via la sonde est imperméable à toutes les interférences et interruptions externes. OK. Elle est sécurisée. Il s'agit d'un lien de communication directe avec un gestionnaire du domaine pour cette région. Nous apportons des changements au corps non physique et les esbires individuels ainsi modifiés auront un rêve perturbant, une sensation de gel sur place, de paralysie du sommeil, ou un rêve très lucide qu'ils ne peuvent pas contrôler.
La plupart en garderont un souvenir. Beaucoup interprètent à tort cela comme un événement d'enlèvement extraterrestre. Mais ces changements dans le corps non physique ne permettent pas une communication aisée. Ils servent à autre chose. Si vous rencontrez autre chose que des efforts de communication directe, alors... Et là, ça a été coupé intentionnellement de la part. Enfin, il allait en dire trop, quoi. C'est... Bon, a priori. Ou ça a été... censuré par des méchants alentour, mais donc il vient de dire que c'est pas possible puisque la ligne est sécurisée. À moins qu'ils soient pas au courant, mais les méchants, des fois, ils y peuvent. Ils ont un brouilleur, je sais pas. Mais ça a repris. Ces contacts et canaux de communication ne sont pas des choses anodines. Les canaux sont destinés aux affectations, aux tâches et à la collecte collaborative dans les renseignements. Rien d'autre. L'expression « rien d'autre » a fait écho comme dans un long couloir. Rien d'autre. Je suis au courant de tous les efforts de communication avec les détenus de cette région. Pardon. Si vous souhaitez ouvrir un dialogue, renforcer votre... ou comprendre votre relation avec le domaine, vous devez concentrer votre réflexion à cette fin. Vous devez vous concentrer sur les besoins du domaine si vous souhaitez communiquer avec nous. Avec le domaine. Ensuite, il pouvait imaginer un sourire aimable, nous dit MM, comme ce qu'un vétérinaire lui aurait montré pour le consoler d'avoir un chat très malade. Bon, il a essayé de proposer du texte en plus, hop, il n'y a pas eu de réponse. Un texte en plus dans cette question-là. Hein. Parce que question et réponse du groupe 14. Des fois, dans les réponses précédentes, il y a eu quelques sarcasmes. Et là aussi, dans le même genre, c'est un peu cynique, c'est un peu punchline amical. Très gentil, très paternel comme genre. Le sentiment, c'était de passer de A vers B, ou plutôt de la couleur verte à jaune vif, si ça a du sens, si ça vous sert à visualiser ce qu'on est en train de vouloir dire. Il a ressenti un ton distinct, sérieux et paternel en même temps. À propos des lignes temporelles, enfin du temps et des lignes du monde. Ai-je raison de supposer que l'aide que nous pouvons offrir est limitée à cette chronologie particulière, cette chronologie étant comprise comme une progression linéaire du temps à partir de maintenant, de ce point ? Oui, vous avez raison de votre point de vue. Il y a une série d'informations déformées et avancées dont qu'on ne peut comprendre. Le contact essaye évidemment de soumettre des informations, mais Metallic Man n'arrive pas à les saisir. Il y a des bribes qu'il comprend, il comprend regroupement, ancrage, progression vers l'avant, âme / conscience, marche-rayon. Oui, développement personnel positif, quoi. En groupe, en étant bien ancré. On sait comment s'ancrer, hein. On se visualise ancré déjà, par exemple, hein. Puis on cherche un bon coin qu'on nettoie aussi, hein, avant de s'y ancrer. Tant qu'à faire. L'impression qu'il a, c'est qu'il y a beaucoup à dire et que son contact, le commandant, veut transmettre ici des informations précieuses, mais qu'il n'est pas à la hauteur, il en est désolé. C'est pas grave, Metallic Man, c'est pas grave. Merci déjà beaucoup pour tout le reste. Ai-je raison de supposer que nos activités devraient être limitées spatialement à cette instanciation particulière, à l'actualité de la planète ? Non. La planète Terre est l'un des nombreux systèmes solaires pris dans le champ de force de prison planétaire et toutes les tranches des multivers impliquées. Et là encore, il reçoit beaucoup d'informations, il y a trop de choses à trier, il n'y arrive pas, il perd le fil. La communication flanche. Continue.
Concentrez-vous sur votre conscience d'Isbi à votre moment et travaillez à partir de là. Ne vous inquiétez pas de tous les autres aspects de celui-ci. Vous, en particulier, dirigé vers la personne qui a posé cette question, vous verrez la clarté de toute la situation une fois que vous aurez quitté la réalité physique. Ne retournez pas vers le tunnel de lumière. Littéralement, c'est ne retournez pas dans le tunnel, dans ce tunnel. Il veut transmettre encore plus d'informations qui passent à l'as. Il comprend quand même bonne volonté, bonne voix, joie positive. Question. Si quelqu'un devait avoir un aperçu de la vie ou des vies de cette âme actuelle, cette information, perception est-elle toujours valable dans cette chronologie? Oui, tout est valable. Le problème est de se souvenir de tout, puis de le recompiler à la fin de la vie et de réutiliser ces informations pour s'appuyer dessus et grandir. Introspection. Encore. Don Juan nous propose l'introspection matin et soir. Matin projeté, soir récapitulative, ainsi que des périodes de récapitulation de tous les événements de votre vie chronologiquement inversés, à partir du moment maintenant, jusqu'à en remontant le plus loin que vous puissiez. À bientôt. Tu reviens me voir dès que tu as fini. Eh oui. Évidemment que suite à une vie dure, ardue, de travail uniquement dans cette voie-là, tout ce chemin-là est déjà parcouru, cette tâche-là est déjà faite, vous l'avez faite quotidiennement tous les jours, vous n'avez plus rien à faire. Mais quand vous n'avez encore jamais débuté un tel travail, vous dites, oula, ben petit à petit, l'oiseau fait son nid, et le plus vous en aurez fait, le moins il vous en restera à faire. Voilà. Faites-le. Question-réponse au groupe 15. Alors là, il a senti des sourires lui parvenir en réponse. Il y a des réponses qui ne sont pas assez précises. Toujours pas, question toujours pas assez précise. De quelles installations ne connaissent-ils pas les emplacements? Demande un terrien aux IT. Réponse ironique. De quelles entités non physiques n'êtes-vous pas conscient qui occupent la région de 3 km de diamètre centrée sur votre salle de bain? Comment voulez-vous connaître ce que vous ne connaissez pas? Et parmi ce que vous ne connaissez pas, comment voulez-vous savoir combien il y en a des sujets? Donc, réponse ironique à question idiote, on va dire. Que pense-t-il des pièges et comment ont-ils besoin d'aide pour les activités? Pas de réponse. Ça a déjà été répondu auparavant. Quelle est la source d'alimentation de l'équipement utilisé pour supprimer les mémoires? Réponse sarcastique. Les sources d'alimentation locales standard que tous les pièges utilisent. Et aussi étrange que cela puisse paraître, il a en fait fait deux, avec une superposition de l'image d'Homer Simpson. Il y a le City qui répond à l'autre. Deux. Ah, je... Ça se trouve, je l'ai fait rire aussi des fois. Question, vont-ils engager plus de ressources à court terme si une assistance est offerte? Il a déjà répondu, il a dit oui. C'était déjà fait. Nous avons tout ce dont nous avons besoin en ce moment. S'il y a besoin de plus de ressources, nous en ferons la demande et nous les obtiendrons. Ce n'est pas un problème dont vous devez vous préoccuper. Question, vous avez dit dans d'autres articles que les gris sont comme des Borgs de la Star Trek et que quelqu'un de bien informé a probablement informé les productions de Paramount sur les vrais IT comme source d'inspiration pour cette idée. Pas que lui, hein, les autres aussi, Spielberg. Les autres. Je suis du genre, aime ton ennemi comme toi-même. Ouh là là, attention. Attention, ni aimer ni pardonner normalement. Hein.
Parce que si vous pardonnez quelqu'un qui vous a fait du mal, vous prenez son karma. Bon, c'est Imre Fatt qui nous a dit ça, et ça vient, ça vaut ce que ça vaut, et ça vient d'où ça vient, mais je conçois un petit peu. Non, je vous ai dit tout à l'heure, si on, dans la situation où un peuple se fait constamment agresser, s'il répond jamais, il est fini. Il faut qu'il réponde quand il peut, quand il faut. Il faut que. Ce n'est pas sa faute si en face, c'est des tarés, quoi. Et il y a une stratégie pour venir à bout des tarés. C'est une étude israélienne, hein, pour vous dire, hein. De stratégie de résistance des peuples faite par une université israélienne, me semble-t-il bien. Donc, on va dire qu'ils s'y connaissent, hein. Bon. De l'aide peut être offerte, mais il y a toujours un risque. Vont-ils promettre de ne pas nuire à l'humanité si leur bataillon est libéré? Hein, dans la mesure où ils n'ont pas le même état d'esprit que la Confédération galactique avec laquelle les méchants actuellement au pouvoir chez nous sont en contact, ça devrait aller. Et de toute manière, avec le niveau de contrôle qu'ils ont, qui peut-on vraiment? Le contrôle qu'ils ont sur nous, qui peut-on vraiment? Mais bon, là, ce qu'ils nous proposent, là, ça me paraît bienveillant, hein. Franchement. Rien que leur réponse à ma question, là, mais franchement, ils ont été dans les détails qui m'intriguaient quand j'ai posé la question. Je m'en doutais de ça. Je m'en doutais en écrivant la question. Et comme en remote view, vous arrivez à faire un sondage profond de l'état d'esprit de la personne dont vous regardez l'activité pourtant. Vous demandez qu'est-ce qu'il fait, ben, en même temps vous demandez quel est son état d'esprit, vous y arrivez. Voilà. C'est passionnant, le remote view. Vraiment, pratique et passionnant, mais bon, pratiquer et s'entraîner. Et tout le monde peut y arriver, hein. Donc, réponse, je crois. Toutes les entités de cette région géographique et spatiale sont sous la propriété et le contrôle du domaine. Propriété. En tant qu'isbi aussi, ça je ne sais pas, mais en tant que corps, ouais, a priori. Notre isbi est intégré, est incarné dans un corps qui lui a été fabriqué sur Terre et dont l'ADN a été travaillé par de multiples isbis différentes, au moins 22 espèces de zytis, me semble-t-il, hein, si ce n'est pas plus. Donc, reprenons, aucun mal n'arrivera à personne. Vous êtes tous sous notre juridiction. Veuillez garder à l'esprit que les isbis ne peuvent pas être détruits. Cependant, il existe d'autres avenirs terribles qui peuvent être envisagés pour les malveillants. Petite notion d'enfer quand même là, hein, si ça se trouve là. Hein. Donc, Metallic Man, je crois, continue. Il a lu attentivement l'interview de l'alien lorsque vous l'avez publié. Non, c'est quand même, c'est le public, c'est une question. Plus de détails que ce qui a déjà été mentionné dans l'interview d'E.T. valent mieux que rien. S'ils vous contactent à nouveau, ils peuvent sûrement offrir un peu plus que ce que nous avons déjà. Sinon, ils ne vous auraient pas contacté, vous et votre public, de cette manière. Et réponse des E.T., c'était le but de ce dialogue humain, ami humain. Enfin, ami humain. Habitants de la Terre, c'était le but de ce dialogue. Question-réponse au groupe 16. Réponses qui ont fusé. Tout était très concret, précis, direct. Piège de l'amnésie. Le piège à amnésie a-t-il une taille physique ou une plage d'efficacité dans l'espace physique? Oui. Il est limité à une petite zone géographique, une petite zone géographique qui contient cinq systèmes solaires habités. Tous les systèmes habités ne contiennent pas des planètes comme le système, comme le Soleil de classe 12, non, pardon, de type 12, classe 7, qu'est la Terre, auprès duquel est la Terre. Cette région, dans le piège, est une forme ovoïde avec un axe X, un Y et un ovale, la forme la forme en 3D d'un ballon de football. Américain. Ou de rugby pour nous, quoi.
Donc, ça, c'est les 4% de la KHA, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris. La KHA, selon Wes Penney. Ça, là, on vient de déler cette forme ovoïde, ce ballon de rugby cosmique. C'est les 4% de la KHA qui sont sous l'emprise des entités malsaines. Alors là, il y a des renseignements qui arrivent. Il y a environ 70 millions d'années, une grande guerre a dévasté de nombreux systèmes solaires dans cette région géographique de la galaxie. Cela s'est produit bien avant que l'ancien empire n'existe. Au cours de la période de récupération, un certain nombre de colonies ont été établies sur les planètes de cette région, mais aucune d'entre elles n'est devenue une plaque tournante majeure du commerce. Telle qu'a priori l'est la Terre, non, je ne sais même pas. Puis, il y a environ 208 000 ans, l'ancien empire a établi sa domination et a repris cette région géographique. Ils ont constaté que cette section de la galaxie était un dépotoir à ordures d'aucune utilité. Et ils ont décidé de la transformer en un grand système pénitentiaire. Ils ont détruit toutes les colonies ou civilisations qui existaient dans les systèmes. Il y a environ 75 000 ans, et ont créé le complexe pénitentiaire qui existe aujourd'hui. Donc, ce qui est décrit dans un remote view par le Farsight comme étant la destruction des dinosaures par d'autres espèces qui sont aussi servies d'une chute de météores dirigées. Météores qui deviennent donc météorites à partir du moment où ils ont touché le sol. Ils sont crashés. C'était il y a, on dit, 65 000 ans. Ben voilà, bon, ben, ça a duré 10 000 ans, quoi. Dix mille de nos années. Vous savez que si on voit vraiment le changement, on aura vraiment de la chance. C'est un truc qui se produit jamais, quoi. Si quand ils entament un conflit, il peut durer 10 000 ans, je veux dire, bon. Et 10 000 ans, c'est un petit. A priori. Durable, mais petit. Ben, il y en a qui durent plus longtemps, quoi. Il y a des conflits qui durent depuis des millions d'années. Question, il semble que puisque pardon, les Isbis doivent être ramenés sur Terre pour être emprisonnés, il pourrait y avoir une région ou un volume cosmique dans lequel le piège est efficace. S'il a une taille finie, qu'arriverait-il aux humains qui voyagent au-delà de son bord? Ah ben, ceux qui échappent donc à la grille. Matricielle, mais la grille artificielle, le piège. Hein? Vous savez, là, quand on dit passer entre les mailles du filet, voilà, ceux qui arriveraient à faire ça. Ben, écoutez, j'ai un peu une mauvaise nouvelle, c'est que ça n'a pas l'air aussi évident que ça à faire. Mais il y a des coups de main. Ça, on nous avait prévenu aussi. Si vous êtes en train d'errer autour des mailles, là, avec une intention favorable et tout ce qu'il faut. A priori, il y a de l'aide qui arrive. Alors, réponse. L'entité serait libérée de l'environnement carcéral et de tous les pièges qui existent. L'Isby serait capable d'explorer et de voyager n'importe où. Cependant, le criminel n'aurait aucun souvenir en dehors de sa dernière vie singulière dans l'environnement de la prison planète. Vous n'emmenez à ce moment-là avec vous que votre dernière expérience de vie. Tous les trillions d'années avant leur arrestation et leurs incarcérations auraient disparu, ainsi que les souvenirs associés aux centaines, voire aux milliers de vies qu'ils ont vécues dans et hors de la prison paradisiaque. Tout aurait disparu. Question, que se passerait-il si un humain mourait au-delà du bord? Les humains sont des isbies, les isbies ne meurent jamais. Le système pénitentiaire de l'Ancien Empire a un intérêt fondamental à vous empêcher de voir qui vous êtes réellement. Ils craignent que vous n'identifiez, en utilisant votre propre mémoire, les maîtres esclaves qui vous maintiennent en prison, les maîtres esclavagistes. Question-réponse, groupe 17.
Que pouvons-nous faire pour soutenir et améliorer les communications? Réponse. La meilleure façon de communiquer avec le domaine est d'utiliser la sonde EPB. EBP. Si vous n'en possédez pas, alors la deuxième meilleure façon est d'utiliser quelqu'un qui en a une comme intermédiaire. Du coup, j'ai remis un commentaire en remettant une question dedans. Non, je n'ai pas remis une question. J'ai donné des solutions pour... ils avaient un problème là, alors donc j'ai donné mes solutions. En toute humilité, je vous le dis. Incroyable. Ben, j'ai estimé que les réincarnations choisies dans les milieux favorisés par les mêmes entités malsaines se faisaient par le biais d'associations avec une entité ou la connaissance de mantras, de la pratique d'un yoga mental qui amène justement au contrôle de la mémoire, parce qu'on développe ça avec Dan Winter, là, je ne sais pas si vous savez. Hein, la conservation des mémoires dans une implosion non destructive, mais négantropique, selon Phi et tout ça, là. Ben ça permet de garder ses mémoires au-delà de la mort. Alors ça, plus un attachement énergétique par le biais d'une cérémonie magique plus ou moins malsaine, hein, avec une entité qui vous guide lors de ce cheminement énergétique entre deux vies, voyez, et vous faire incarner là où il faut, quand il faut, pour votre ouvrage de mort, quoi, hein, de mort vis-à-vis des autres. Reprenons. Les détenus individuels qui ont une sensibilité au service d'autrui et qui souhaitent sincèrement jouer un rôle de soutien auprès du domaine peuvent se porter volontaires. Pour ce faire, 1. Vous modifiez vos campagnes de prière ou d'affirmation pour spécifier votre acceptation du volontariat et votre aide au domaine dans ses efforts, quels qu'ils soient. Alors lui, il a un code de script à ajouter à nos affirmations de prière pour accomplir cela. Je suppose qu'il a détaillé ça dans un de ses articles à propos de ses programmes d'affirmation. Au fil du temps, certains plus rapidement que d'autres, une opportunité se présentera où vous serez contacté dans le corps non physique. Il est très rare d'être contacté dans le corps physique. Les perceptions de cet événement seront différentes d'une personne à l'autre. Certains ressentent cet événement, d'autres sont témoins de cet événement. Certains se souviennent de cet événement comme d'un rêve très étrange. Ce contact prendra différentes formes pour différentes personnes, et cela dépend de beaucoup de choses. Certaines personnes peuvent ressentir un attachement vibratoire, d'une certaine sorte, tandis que d'autres peuvent assister à une procédure médicale sur eux-mêmes. D'autres encore pourraient vivre un rêve très lucide, mais complètement étrange. Certains auront l'impression d'être gelés, paralysie du sommeil, et incapables de bouger. Et la peur de cela provoquera toutes sortes de manifestations terribles, si vous la laissez se développer, évidemment. Certains auront l'impression d'être sous l'eau et incapables de respirer, et d'autres se sentiront à la fois grands et petits et très, très désorientés. Ce sera horrible. Mais ce sont toutes des perceptions colorées par la peur, plus ou moins. Et donc, si vous arrivez à ne pas les colorer de peur, ça se passe très bien. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Je ne sais pas comment il faut le prendre, celle-là. Son apparence dépendra de beaucoup de choses, donc. Ce sera étrange, inhabituel, difficile à décrire, mais cela semblera absolument réel à ceux qui en feront l'expérience. Cependant, prenez et faites une note importante. Si vous croyez ou sentez que cet événement s'est produit, alors c'est qu'il s'est réellement produit. Tout l'accent est mis sur le responsable du domaine, pas sur Metallic Man. C'est pas Metallic Man qui souligne réellement produit, c'est le communicant du domaine qui nous dit, si vous le pensez, si vous le ressentez, si vous avez une mémoire, c'est que ça s'est fait, quoi. Même vu que ça c'est le travail sur le corps non physique, donc vous n'avez pas directement le matin au réveil une preuve, quoi. Peut-être que si vous allez faire une implantation de puce, de sonde, là, le lendemain, vous avez quand même un pansement, quoi, je veux dire.
Le but général de cette communication, j'en sais rien du tout hein, pour l'implantation EPB, comment ça se passe, j'en sais rien du tout. Enfin, il a décrit la sienne, mais là, dans la situation d'aujourd'hui, pour des volontaires, aucune idée. Aucune idée. De toute façon, ce sera des volontaires qui seraient spécialement doués aussi déjà, en plus, a priori. Hein. N'oublions pas que Metallic Man, c'était juste un génie, quoi. Hein. Il était, c'était une pointure dans le système éducatoire, éducatif. Ouais. Scolaire, quoi. D'enseignement. Le but général de cette communication est de rassembler un groupe de détenus bénévoles pour aider aux efforts du domaine. Si vous acceptez cet effort de recrutement par Metallic Man, suivez les étapes décrites ci-dessus. Notez que chaque tâche sera une tâche personnelle et ne sera pas vraiment quelque chose qui ait du sens pour les autres, en dehors de votre cellule opérationnelle. Nous serions vraiment ravis de votre participation avec nous. Et l'agent du domaine nous gratifie d'un sourire. Alors, sur cette note personnelle, Metallic Man pense qu'il s'améliore dans le domaine de la communication. Commentaire supplémentaire de l'agent. Le 19 septembre 2021 à 15h49. Ah, on va boire une petite gorgée quand même. Hein. Ah ben, je tease. À tous les sens du terme. Il y a de nombreux individus qui vivent maintenant des choses, des événements, des situations et qui sont confus. Vous n'avez pas besoin de l'être. Tout se déroule comme prévu. Certains d'entre vous se verront confier des tâches dangereuses, mais rien dont vous ne survivrez pas. Et vous n'opérerez pas non plus seul. Vous serez toujours soutenu. Là, il y a un passage qui est brouillé, pas clair. Ayez confiance en vous et suivez ce que dit Metallic Man. Effectuez vos exercices. Soyez de bon cœur. Soyez de bon cœur. Vaillant. Quelques questions personnelles. Un certain nombre, plus que quelques-uns, d'adeptes du site Metallic Man signalent avoir vécu une paralysie du sommeil. Que se passe-t-il? Dans tous les cas, ceux qui vivent cette sensation ont accepté de soutenir les efforts du domaine et se sont portés volontaires pour rejoindre les irréguliers locaux, enfin bon, rejoindre donc les troupes engagées, on va dire. Ce qu'ils subissent est une opération, en quelque sorte, comme une procédure médicale, qui altère leur corps non physique. Ces altérations servent à rompre de nombreuses chaînes, attaches, contrôles, pièges, bien connus et mis en place par l'ancien empire et les gardiens de cet environnement. Ce qui nous cartonne et nous empêche de ressentir finement, vous voyez. Qui nous bétonne, nous plombe. Ben, ça dépend. Hein. Certains n'auront besoin de subir qu'une seule procédure. Certains peuvent subir plusieurs procédures. Personne n'a besoin d'avoir peur, mais si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, cela pourrait avoir une réaction de peur naturelle et vos pensées évoqueront toutes sortes de terreurs. Elles ne sont pas réelles. Tout le monde doit rester calme et comprendre ce qui se passe. Ces procédures ne sont pas l'installation d'EPB, de sonde donc. Ce sont quelque chose de complètement différent et ça varie d'ISBI en ISBI. Cela permettra à l'ISBI de travailler plus facilement avec le domaine et de pouvoir se déplacer dans les environnements non physiques ainsi que de pouvoir quitter toute cette région ensemble. Chacun vivra la procédure différemment. L'un des effets les plus courants est la sensation de paralysie. Ce qui se passe, en fait, c'est que la conscience est placée dans une chambre de rétention, une installation en état de stase, pendant que le corps non physique est opéré. Pour beaucoup, c'est une première expérience et c'est entièrement nouveau et étrange. Ils paniquent naturellement et les peurs génèrent des cauchemars dans la chambre d'opération, sensible à la pensée. Mon message à tous est de rester calme. Nous ne faisons de mal à personne. Nous modifions votre corps pour que vous puissiez travailler aux côtés du domaine. Si les choses deviennent trop terrifiantes pour vous, vous n'avez qu'à vous détendre. Vous êtes au milieu d'amis. Conclusion. Certaines des réponses ont été surprenantes. Il y avait une humanité latente à laquelle il ne s'attendait pas, Metallic Man. Certains étaient agressifs et il était prévenu que de transférer cette agressivité dans son rapport.
J'espère que vous en avez tous profité. Ce n'est pas l'agressivité, c'est l'ironie, hein, quelque part. Je sais que certains ne seront pas satisfaits des réponses, les prétendants trop généraux, alors que d'autres seront satisfaits, tandis que d'autres encore peut-être un peu frustrés ou en colère. Comme nous avions l'habitude de dire dans les entreprises américaines, ne tirez pas sur le messager. Ne tirez pas sur le pianiste, ce n'est pas sa faute si le morceau est nul. Et ce n'est pas sa faute non plus si c'est le public qui lui demande de jouer ce morceau-là. Par contre, il a intérêt à bien le jouer, en plus. Reprenons. J'espère que tout le monde en a profité d'une manière ou d'une autre. Passez une bonne journée. Eh bien, merci beaucoup, Metallic Man. Merci beaucoup, Isby du domaine. Et bien, merci beaucoup à vous. Pas mon hôte, toujours bienvenue. Ben écoutez, hein, si vous le sentez, c'est une occasion. C'est sûr qu'une fois qu'on est implanté, ça peut être débranché, mais peut-être pas désimplanté aussi facilement. Bon. Sinon, ce qu'ils nous proposent dans les changements corporels non physiques, c'est plutôt cool, quoi. Hein, c'est des permis de circulation, des aides, du matériel de communication de meilleure qualité, une vision nocturne, enfin, genre. Hein. Et quelque part, c'est aussi sûr que ça nous démange de faire enfin quelque chose qui serve à quelque chose. Donc, je laisse à l'appréciation de chacun de pratiquer les campagnes d'affirmation, qu'il appelle aussi campagne de prière, hein, au début. De chercher par vous-même tout ça, parce que personnellement, je ne travaille pas comme ça, mais bon. Pardon, en tout cas pour l'instant je ne travaille pas comme ça ou pas tout à fait comme ça, enfin bon, oui, j'ai jeté un œil à ces articles là mais ça date d'il y a quelques mois, donc j'ai du mal là. Voilà. Ben, déjà, oh les cœurs vaillants et réjouis. Bon courage à tous, confiance, pas de peur. La peur, c'est ce qu'on a. C'est un sentiment anticipé sur ce qui risque de se produire tel qu'on le conçoit, nous. Ils font des interventions à poumons ouverts sous hypnose et acupuncture en Chine. Ouais, peut-être pas de manière courante, mais il y a des endroits où ils le font. Donc, le patient, il est là, il répond. Il est ouvert, il répond. Tout va bien, quoi. La sensation de douleur, la douleur des tissus déformés, tout ça, rien. Donc, le cerveau a des capacités surprenantes. Et je ne dis pas ça parce que c'est facile, hein, parce que j'ai eu ma dose de douleur. Hein. Ça, et c'est souvent quand vous ne voulez pas que vous avez le plus mal. Hein, mais voilà. Bon courage quand même. Et puis, on parle de douleur, là, mais parlons de réussite aussi. Hein. Parlons de plaisir, parlons de sentiment de victoire, parlons de tout ça. Hein. Pas que des problèmes, en fait. Et à très bientôt. Ben, inutile de vous dire que ça m'a bien plu de vous lire ça. Hein. Franchement. J'ai l'impression que tous les articles qui vont traiter de ce genre-là ont cette bande jaune qui traverse la vignette, enfin, la vignette d'entrée. Non, là, elle n'y est pas.
Il y a juste un point jaune. Mais j'en avais une autre. Bon, c'est pas le sujet. Donc, bah, à très bientôt. Hein? Faites vos devoirs de maison, là. Très bientôt. Ici ou ailleurs. Salut.